Salut à tous, bienvenue sur Coffee Gaming. On repart pour un petit coup de Super Mario Maker 2. Et oui, on n'a pas fini tous les niveaux, hein. Je vais deviner pourquoi. On va continuer à faire les niveaux que vous nous avez faits. Et on va également en parallèle faire les niveaux défis infinis en attendant qu'il y ait quelques petites propositions. Ah bah oui, mais ça c'est pas cool. Attendez, puis en plus, il y a le chat aussi qui est en maintenance. Hop. Alors, pourquoi? On retente. Il va être très court le live, j'ai l'impression. C'est Winry. Eh ben, ça allait bien, mais a priori, le jeu ne veut pas qu'on joue ce matin. Pourquoi ça? On va lancer, on sait jamais. J'ai pas compris ta question, Orphan, du coup. Alors, pourquoi ça ne veut pas marcher? Même c'est bizarre qu'il y ait une opération de maintenance aussi tôt après la sortie du jeu. Toute façon, on dit si ça continue, ça va pas non plus durer des heures. Allez, jouer. Stage du monde. Ah oui, bien sûr, Orphan. Je comprenais pas pourquoi tu me disais que je ferais God of War et Horizon quand ils sortiront. Vu que j'aimais les deux. Enfin, je me comprends. J'ai compris la phrase à l'envers. Ben, écoutez les gars, Alors, il y a aussi un petit truc qu'il faut que j'aille vérifier parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit que j'avais pas fait tout à fait le 100%. Attendez, peut-être que. Non, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais pas tout à fait le 100% en mode histoire par commentaire. On va en profiter pour vérifier un petit truc du coup. A priori, j'aurais peut-être raté les petits trucs. On dit d'aller voir à gauche. Coucou Léa! Et toi, à cause des voisins qui percent le mur? Ah. Bah ouais, quand ils percent le mur de ta chambre, derrière ta chambre et que la perceuse passe à côté de ta tête, j'imagine que ça doit réveiller. Attendez, on m'a dit que j'ai raté quelque chose par ici. Ah bah, il était pas là la dernière fois. Si nous pouvions détruire ces blocs solides, nous pourrions accéder aux blocs. Ah bah oui, en effet, j'ai pas tout à fait fini le 100%. Ah, impossible de frapper les blocs. Avec ces blocs solides en dessous. Le meilleur moyen de briser un seul bloc solide, c'est d'utiliser une carapace d'Eris. Mais j'en ai pas sous main. Est-ce que tu pourrais me ramener une carapace d'Eris, s'il te plaît? Oui. Ça devrait nous occuper le temps que les serveurs ils arrêtent d'être en maintenance. Alors. Yay. Ok, ça on va pouvoir défoncer ça. Oui. Bam. J'espère qu'il y aura des nouveaux niveaux avec les mages en solo parce qu'ils sont bien sympas, mine de rien. Ok. Ça, je peux les faire comme ça. D'accord. On peut éclater des trucs avec des pics. Avec des pics. Alors, est-ce que je peux bien descendre par ici ou pas? Oui. Good. Doucement. Après avoir fait les niveaux online, bizarrement le saut paraît beaucoup plus facile, j'ai l'impression. Vu certains niveaux qu'on m'a envoyés. Merde. Les mini-pièges. Merde. Regarde. Voilà. De toute façon, la thune, j'en ai plus besoin vu que j'ai vraiment fait tout le château. Voilà. Il va sûrement y avoir un truc par ici qui est un petit peu planqué. D'accord, un bloc volant. Yay! Et je crois qu'on doit être à la fin du niveau déjà. Salut petit poisson, bienvenue à toi! Oula, doucement. Et on y est! Yay! C'est Wender! Coucou Mimi!
Alors attendez, j'ai pas vu son message. Du coup, on allait au boulot, je n'ai toujours pas fini le mode, mais je pense à toi, d'accord. Écoute, bon courage pour ta journée. Ah. Ah ouais, j'ai pas de bol en ce moment, non. J'avais pas mal de cours en cours cette semaine et j'en ai une paire qui ont été annulées. Genre demain, je devais avoir une demi-douzaine d'heures de travail, puis finalement, j'en ai plus que deux. Mais bon, ça me permet de faire un petit peu plus de live avec vous, quelque part. Ok, ça nous rapporte quelque chose. Oh! La fleur super boule! Vous obtenez un. C'est quoi, c'est un aphrodisiaque? Vous obtenez un nouvel élément, vous pouvez l'utiliser pour créer un stage dans le style Super Mario Bros. D'accord. Quoi de Mario Super Boule? Ok, ben je crois que c'est le dernier truc qui manquait en fait. Attendez, j'ai rien raté là, c'est le vrai 100% qu'on a fait du coup. On va espérer que le online remarche. Alors, les vidéos on s'en fout. On va quand même tout vérifier. Hein. Bah en fait là le problème petit poisson c'est que j'aimerais tester pas mal de choses. Mais le serveur plante il est en maintenance là. C'est pour ça que je refais un petit tour du mode solo en attendant. On va vérifier juste après si ça marche. Je sais pas, il pourrait prévenir, enfin. Mettre un petit message, etc. Donc pour la maintenance des serveurs. Ça c'est quoi du coup? Ah, il y a peut-être un niveau du pigeon que j'ai pas fait du coup. Non. Même pas, c'est juste pour faire joli. Mais dès que ça marche, il n'y a pas de souci, petit poisson, je testerai avec grand plaisir. Alors, rien pas là-bas. Surtout qu'on a aucune idée de combien de temps ça peut prendre. Non, Luna. Non, non, on a bien fait le tour. En bas, je sais que c'est bon normalement. Bon, bah écoutez, on va retourner sur le stage du monde, voir si ça remarche. Oh putain. Du coup, je vous avoue, je sais pas du tout quoi faire. À la limite, on peut essayer de faire un niveau, mais ça va être catastrophique. En attendant, j'espère que ça va vite revenir. Alors, on va tester ça. Comment on fait pour faire un tout nouveau niveau? Je crois que ça, réinitialiser. D'accord, il faudrait que je jetterai un petit coup d'œil. Alors, l'environnement. Ah, on peut même avoir les forêts en 8 bits. Un visiteur venu d'ailleurs. Merci, Morkael, pour ton follow. Alors, on peut modifier. Ok. Voyons un petit, un petit peu ce qu'il y a. Niveau de l'eau, d'accord. Orienté, forteresse volante. Je vais essayer de faire un niveau assez classique. Alors je vous avoue que j'ai pas du tout vu les tutos. Attendez, donc ça on va essayer de mettre le plus loin possible pour avoir de la marge. Alors attendez. J'ai vraiment du mal à... venu d'ailleurs. Merci unknown personne pour ton follow. Un petit peu de mal encore avec les touches. Ok. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer tout simplement de tirer ça. Attendez, comment on fait pour tirer la terre par terre? Ouais, un jour, il faudrait vraiment que je me mate les tutos. Vous voyez le sol là? Avec le tactile, je vois tout à fait comment il faut faire, mais avec la manette, je vois pas. du coup. Mais comment on peut faire? C'est pas avec... Comment je peux faire? Non. Ah, voilà.
Non, je veux juste le faire avancer. Y'a pas moyen? Peut-être qu'il faut... Ah, il faut créer le sol soi-même, d'accord. Pas là-haut. Création de niveau façon noob. Voilà. Que ça doit. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc déjà plat pour commencer, pour que je me repère. On va faire le niveau le plus classique possible, comme je les aime bien. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Ah bah j'espère que ça va pas être maintenant de 5h, Orphan. Bah bon courage avec Trek, parce que là il y a les serveurs sont en maintenance, donc c'est pour ça que je fais de la création de niveau. Je peux rien faire d'autre. Salut Mariko. Ok, alors... Ouais, ça va être beaucoup plus facile en tactile en effet. Non, je crois qu'il y a même un en moins. Ça, il y a moyen de déplacer. Ouais. Du coup, ça je mets là. Ok, un petit Goomba. D'accord, on fait comme ça pour mettre à l'intérieur. Ça pourrait être marrant de se faire une sorte de medley de niveaux mélangés entre les chip-chip, les trucs, un petit peu un niveau tout en un. Attendez. Alors, ok, alors, je vais un petit peu, on met directement deux comme ça. Voilà. J'ai un petit peu de mal encore avec les boutons. On peut mettre ici, voilà. Ok. Alors là, pour être un petit peu salaud. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Alors attendez, comment on fait déjà pour trouver des trucs? Je crois qu'ici il y a. Je voudrais un nouvel ennemi. Je voudrais un frère marteau. On va mettre un là et un ici. Voilà. J'ai l'air de ça. Donc ça va être bien sympa. On va mettre directement un petit tuyau derrière. Allez, on le laisse un petit peu. Hop. Voilà. Avec des petites plantes. Merde. Ok, on le met là-dedans. Merde, je vais pas te mettre là-bas, toi. Retourne où t'étais. Non. Ah putain, j'ai vraiment du mal avec les boutons, je suis désolé. Voilà. D'accord, en fait, faut retourner dans les icônes et après appuyer sur Y pour pouvoir choisir les ennemis. Un petit champ entre les deux. Ce sera parfait. Si je veux bien. Par ici. Ça va déplacer un petit peu juste ici. Voilà. Est-ce qu'on va mettre dedans? Ce serait une fleur de feu. Alors les fleurs de feu, je sais pas comment on les fait.
D'accord. Alors comment on fait pour choisir une autre fleur? Vous voyez là, je vois qu'on peut jouer... Ah voilà. Comme ça. On est good. J'aurais pas dû te donner l'idée, Electrek. C'est ma souche. Mais non, je vais pas mettre des ennemis partout. Je vais quand même laisser quelques endroits avec quelques petits obstacles à la con. Alors, du coup, on va profiter aussi pour faire hop. Des petits sauts à la con. Là, ça devrait passer déjà. Ah, attendez, est-ce qu'on peut déjà commencer le début du niveau? C'est sûr, moi, c'est ça. Oui, mais je voudrais pas que tu commences ici, je voudrais que tu commences au début. Comment on fait pour remettre Mario au tout début, les gars? Trajectoire du joueur, non, ça on s'en fout. Mario. Curseur de voix. Maintiens le moins, d'accord. Merci. Merci de rien. Oula, oula. Ça commence mal. Ah. Je pensais pas que tu descendrais aussi vite, toi. Ouais, y'a même moyen d'en virer quelques-uns. Hop. On est bien là. Ok, alors, attendez. Non, je vais faire un truc pas trop salaud quand même. Avec curseur de doigt, voilà. On met ça en dessous. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques petites bestioles là-haut. Alors, je sais pas comment bien choisir pour qu'elles soient au bon endroit. Ça, mais également avec des aides, ce serait bien. Alors, il y avait une fonction copier-coller, mais je ne sais plus comment on l'utilise. Alors, hop, on va se tenter un truc. Un truc un peu méchant. Alors, attendez, hop. On va mettre un petit tour entre les deux. Voilà, ça, on va dégager par ici. Et on va effacer tout ce qui est en dessous, là. On va déjà essayer comme ça. ZR, ZL x2, merci. C'est MatMat, ça très bien et toi? C'est GameSlayer. Et avec QPixel. Attendez, qu'est-ce que tu fous là, toi? Hop. Vite. Je comprends pas les trucs, ils ont pas le temps de... Ah, merde! Ouais, un peu trop précis, ce saut. Il y a moyen de le faire, mais ça va être un peu sale aussi, on le laisse comme ça. Hop. Je me cours des boutons. Comment faire pour que les plantes elles soient sorties plus tôt, les gars? Parce que là, le problème avec les plantes, c'est qu'elles mettent trop de temps à sortir. Je sais pas s'il y a moyen de les faire sortir plus tôt. Merde. Tant pis. Vous voyez, là, on n'a pas le temps de les voir sortir. Faut le mettre un tout petit peu plus haut. Hop. Laisse parler ta créativité. Je veux sentir la vie dans ce niveau. La passion et la joie. Libère ton esprit, libère ton âme. Un visiteur venu d'ailleurs. On va le mettre là-haut. Bienvenue, Isaac Etanet 59. Merci pour ton follow. Ah putain, c'est pseudo. Mon dieu. Merci.
Le rouge va super vite. La couleur des tuyaux, d'accord. Merci. C'est bien parce que du coup, ça fait un tuto pour les noobs aussi qui découvrent comme moi. D'accord, alors attendez. J'imagine qu'il faut que je fasse ça. D'accord. Ok. Limite, je serais tenté de les éloigner un poil en fait. Attends, est-ce que tu veux bien te bouger un petit peu, Mario? Merci. Voilà, reste dans le mur, c'est parfait. Attendez, mais je veux juste décaler ça, il y a moyen. Voilà. Et limite, je me dis. Ça sera mieux encore. Voilà, comme ça. Ok. Après, ce qu'on peut faire du coup, à la limite, c'est une phase chip-chip. J'adore le chip-chip. Donc, du coup, il faudrait que j'arrive à trouver un système de pont. Faire des ponts de chip-chip. Plateforme, non. Ah, il y a un truc un peu plus bâtard à faire. Ah, on peut pas y faire plus long que ça. Dommage. Voilà. On alterne un petit peu. Puis après carrément par petite phase, par petite touche. Voilà. Et un truc un petit peu plus long pour la fin. Pour finir le calvaire. Alors attendez, la gomme. On gomme tout ça, on maroufle tout ça, voilà. Enfin, je pense à mettre quelques pièces quand même. Salut Switch, ça va et toi? Et du coup, les chip-chip, comment ça se passe pour eux? Où qui sont les chip-chip? Ils sont là. Alors, les chip-chip... Il y en a de plein de couleurs différentes. Le problème c'est qu'on ne connaît pas trop leur spécificité. Est-ce qu'il y a besoin d'eau pour les faire fonctionner les chip-chip? Ou pas? Quelqu'un sait? Alors Gaming Slayer, c'est pas moi qui décide. Normalement je vais essayer le niveau dès maintenant, dès le début live. Malheureusement les serveurs sont en maintenance. Donc je sais pas jusqu'à quelle heure. Pour ça je fais un petit niveau en attendant, parce que je peux rien faire d'autre. La mort ou chip chip si j'ai bien compris, c'est ça. Du coup les chip chip, ça marche tout seul dans le vide ou ça marche comment? Je sais pas si on peut mettre de l'eau en dessous. Et comment ça marche? En vrai. Attends, il y a bien moyen de rajouter un petit peu de plot, je crois bien. Peut-être par ici. Si j'essaie les chip-chip comme ça a marché. Alors, on m'avait dit. Elle, pour le copier-coller. Parce que j'ai jamais réussi à faire le copier-coller. J'arrive pas à faire le copier-coller. Donc LZ. Donc là je fais copier. Comment je fais pour le coller? Attendez, quelqu'un aurait l'astuce pour le copier-coller? Il fait toujours sourire, c'est ça. Attendez. Juste si j'essaie de foutre Mario là-haut, est-ce que ça a l'air de marcher? Ah, y'a pas besoin de mettre de la flotte en fait. Ok, bah nickel. Hop.
Est-ce qu'il y a moyen de modifier leur trajectoire pour qu'ils aillent dans l'autre sens? Hop. Hop là, voilà. Tu peux me dire la différence des tuyaux? Ah, je sais que là, du coup, il y a des tuyaux qui vont un peu plus vite que d'autres. Oula, oula. Parfait. Il en manque un petit peu par ici, je trouve encore. Ok. Moi, je dis, il y a moyen de foisonner un petit peu plus ça. J'ai vu qu'il y avait un Rikichu qui traînait. Il était où le Rikichu? Petit Rikichu. Est-ce qu'il y a moyen de faire des zones pour que le Rikichu puisse pas dépasser une certaine zone ou pas? Parce que j'ai peur de foutre un Rikichu mais qu'il fasse chier jusqu'à la fin du niveau. Under. Bon, il est, pour l'instant il est pas trop méchant le niveau. Limite ce que je peux toujours faire. Alors attendez, ce Rikichu ce serait bien qu'il balance des Eris. Du coup j'imagine qu'il faut juste que je foute un Eris dessus. Attendez, comment que ça se passe? Les iris. Là. Voilà, comme ça il balance ça direct. Il y a moyen de savoir à quelle vitesse il est balancé ou pas? Ok. Bah, j'en ai eu des pires, Ender Drake, j'en ai fait des pires. À la fin, il y a un Bowser qui fait un Final Flash qui prend la moitié de l'écran. Ah, des Bill Ball, bah oui, c'est pas bête, Mariko. Bah oui, merci. Non, il y a un truc qui peut être sympa en vrai. Est-ce qu'il y a moyen de déclencher des Bill Ball en décalé parce que je voulais en mettre tout à l'heure? Je me suis dit que ce serait trop méchant. Mais j'ai bien une petite idée de ce que je vais faire. En fait, ce que je voudrais faire. Hop. Où ils sont les billboles? Ils sont là. Alors, ce que je voudrais faire, c'est pas un bonhomme de neige. On va peut-être gommer encore un petit peu plus. Faut vraiment qu'on soit à peu près au bord. Voilà. Voilà, un dernier. Qui nous permettrait d'aller chercher un tuyau tout là-haut. Alors attendez, tuyau, c'est par où est tuyau? Parce qu'en fait j'ai peur que le Rikichu il fasse chier. Donc je préfère foutre un tuyau pour aller autre part. Où ils sont les tuyaux? Ah, ils étaient là-bas. Bah, ils sont là. Attendez, à moins qu'il y ait un ennemi sur lequel rebondir, qui pourrait être sympa. Regarde un petit peu. Non, pas de bloops. Non, là ça devrait être déjà bien, je pense. À moins qu'on rajoute une petite colonne au-dessus.
renforcer au timing. Et du coup, il faudrait la mettre un petit peu plus haute. Et ça, du coup, un petit peu plus basse pour que les gens ils puissent quand même le prendre. Hop. Hop, curseur doigt, voilà. Et tout ce qui est en dessous, on efface. On va déjà ici jusque là pour voir un petit peu comment ça se rame. C'est Lexi! Ça refonctionne? Ah merde! Les trucs ils tiennent pas tout seuls. Ok. Bah du coup on va la rehausser d'un coup. Je vais finir mon niveau et puis après on retentera le online. Du coup là c'est la bonne hauteur en fait. Mais du coup ça me paraît encore un poil haut. Voilà. La limite comme ça. Et puis ça on recule un petit peu par ici. C'est vraiment nickel. Voilà. On teste ça. Pas forcément y avoir un truc qui a merdé quelque part, je le sais, mais. Faudrait que je recule un petit peu et à qui tue, je pense. Oula merde. Je commence mal. Hop là, ça passe. Lui, il faudrait que je mette un petit peu plus en arrière, sinon c'est pété en fait. Alors, oula, ouais. Faut que j'avance un petit peu les trucs là. Alors, je commence à avoir un truc pas trop mal en fait. Est-ce qu'on peut sélectionner plusieurs trucs à la fois? En fait, le but ce serait quand même que ce soit pas. Ah, attendez, sinon je mets ça dans l'autre sens, comme ça ça marchera mieux. Un petit peu comme ça. Alors, attendez, parce que j'aimerais bien. Ah, au pire. Je mets en mode rapide. On va un peu ce que ça donne. Et du coup, à la limite, ce que je peux toujours faire, c'est en rajouter un petit ou deux par ici. Voilà. Attendez, si je reprends de là. S'il faut que je décale de là qui tue. Il est trop tôt. Oula, oula. Ouais. Non, ils sont pas assez près les canons, j'ai l'impression. Ah, c'est bon. Le problème, c'est qu'ils décalent. Ils commencent vraiment pas en même temps en fait. T'as vite coup de maker. Attendez, hop. Comment je pourrais faire pour que les canons soient bien synchronisés? Ça, ça fait un peu chier. Oh putain, non c'est bon, ça passe à peu près. On attend, et on y va. Yes, et là du coup il n'y aurait plus qu'à rentrer là-dedans. Alors du coup, les tuyaux, j'ai jamais trop fait. Comment ça se passe au niveau des tuyaux pour se téléporter? Ok, sélectionnez l'orientation de la zone secondaire. Si vous changez d'orientation par la suite, tous les éléments de la zone secondaire disparaîtront. Continuons en horizontal. C'est Globox, bienvenue à toi. Un fan de Rayman, j'imagine. Ok. Donc là, on est sur une zone secondaire. Alors, la zone secondaire, on est obligé de revenir sur la zone principale pour que ça marche ou pas? Moi, je sais pas si ça vaut la peine de faire une zone secondaire. C'est Yulul! Putain, c'est bizarre, j'ai pas les. Ah! D'accord. Attendez. Est-ce qu'on est obligé de revenir sur la zone principale pour valider le niveau? Là, c'est un tuyau pour. Ok. On va le mettre par ici. Voilà. On va quand même mettre un bout de mur au-dessus, sinon ça va faire bizarre. Ça pourrait être marrant de rajouter un ennemi sur lequel rebondir directement. S'il y a une bonne synchro.
Alors, on va voir. Oh, ça les bug comme ça en général, tu les as jamais avec le box malheureusement. Ou des fois ils se gourrent en fait, c'est des accessoires qu'ils envoient pour le prix. Ils ont déjà fait le coup, c'est discount. Et tu te retrouves avec des protèges Joy-Con ou des conneries comme ça. Ah, j'ai une idée. J'ai une petite idée. On va faire une petite phase de saut. Mais pour ça, il me faudrait un petit tremplin. Où qui est tremplin? Là. Voilà. Attends, et le but, c'est qu'il tombe quand même un petit peu dessus. Hein. Je suis pas si sadique quand même. Hop, curseur de voix. Des gros billballs, on peut les faire popper où on veut. On va voir ça, le billbourrin. Comment on fait popper ça? Comment on fait pour avancer le truc? C'est pas ça. Ah, c'est à cause de ça. Ok. On va revenir au début du coup. C'est pas encore assez instinctif pour moi ce truc là. Du coup, ça nous permettrait de revenir sur. On va faire quand même un truc pas trop chiant. Hein. Pourquoi c'est un peu une petite coupe mobile? Attendez, je voudrais juste voir comment ça marche déjà, juste par rapport au billball, parce que j'en ai encore jamais du tout, pas du tout utilisé. Non! Oh! On descend là. Le but ce serait de. Ouais, de pouvoir choper ça, mais là c'est trop juste. Est-ce qu'il y a moyen de le maintenir en l'air? Pour pas qu'il descende. Ou genre mettre un ennemi dedans qui bouge pas trop. Quel ennemi on pourrait mettre dedans pour pas que ça bouge? Est-ce qu'on peut mettre un bout dedans? Question con, c'est une vraie question. Hein. Ça sert à rien, je crois. Ouais, toi tu barres. Mais à quoi ça sert de foutre un bout là-dedans? Hop. Voilà, ça remet un petit peu plus haut. Le billball, il était par où? Enfin, le billbourrin, du coup. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on voit pas tout de suite le truc là-haut. Attendez, là, je fais de la merde. Mets une pièce dedans? D'accord. D'ailleurs, faut que je rajoute des pièces et tout dans le niveau. Ça rappelle, j'oublie. Ouais, mais la pièce, ça fait quand même bouger le truc. Merde. Non, mais pas là. Moi, je voudrais que le truc il reste vraiment sur place. Qui bouge pas d'un poil. Salut Sacraft, bienvenue à toi. Parce que là vous voyez la pièce malheureusement ça fait bouger le truc. Si je mets vraiment rien dedans. Il est en train de chuter littéralement. Euh...
pas moyen de le rendre stable? J'en ai déjà vu qui bougeait pas quoi normalement quand on les foutait quelque part. C'est pas un niveau de rage, c'est pas un niveau auto, c'est plus un niveau on va dire semi-classique avec un petit peu de difficulté. J'ai jamais vraiment fait de vrai niveau, j'ai juste fait un test avec un niveau de merde. Donc là le but c'est de faire un niveau qui reste faisable mais avec un petit peu de difficulté quand même. Ouais, si je mets un champi dedans, ça fait quoi? Ah, pareil, il essaie de nous suivre. À la limite, ça peut être intéressant le goût du champi. Attendez. On va tester comme ça pour voir. Merde. Un peu trop tôt. On peut pas recommencer du même endroit. On va attendre un petit peu plus. Le temps de comprendre qu'il y a le bill, voilà. Comme ça, ça permet de retomber là-dedans. Et là, du coup, se retrouver avec un niveau, une partie de niveau un petit peu plus précision, ça pourrait être sympa. Alors, voyons voir ça. Est-ce qu'il y a moyen de limiter le niveau en hauteur, les gars? Question con. Là, du coup j'ai peur que les gens ils tentent de monter trop haut. Ce que je peux faire c'est hop. Voilà, comme ça on est tranquille de base. On commence tranquille. Pas mettre ça trop haut non plus. À peu près comme ça, je pense. Merde. Un visiteur venu d'ailleurs. Merci pour ton follow, StarCraft. D'accord, Gaming Slayer. Alors, à plus, Léa. Une plateforme en dessous, d'accord. Ouais, mais la plateforme, du coup, j'ai peur que les gens l'utilisent. Un visiteur venu d'ailleurs. Merci aussi à toi, Axel. Ça fait quoi si on. Oula, il aime pas Mario. On va faire un petit truc. Comme ça. Pas trop dur non plus. Ouais, alors là, ça va être un petit peu chaud, peut-être. Voilà. Ça paraît pas trop mal comme ça. Ce qui serait cool, ce serait de rajouter quelques petites fleurs de feu. Non, ça on va pas laisser ça ici. Ouais. Voilà. 3 de hauteur, ça devrait suffire, non? Sorti par là-bas. On a déjà ici ça. Toi, tu viens avec moi. Attends. Pas s'emmerder, on va le poser directement là. Juste pour vous déjà voir si ça marche. La gueule du truc. Oh putain.
Je savais pas que ça allait réagir comme ça en vrai. Ça peut être sympa quand même. Faut que j'y aille un peu plus doucement. Peut-être simplifier un peu, virer un ou deux piques à droite à gauche. Le but c'est d'y aller quand même assez doucement. Ouais, 3 c'est vraiment pas assez. Ok. Donc, ce qu'on va faire. Du coup, c'est mettre une ligne au-dessus. 4, ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. 4 ici, du coup. On va plutôt ça comme ça. Le but, c'est qu'il reste quand même un minimum faisable. Hein. Du coup, là, ça peut quand même passer. Mais c'est là où ça va être le dawa. Voilà. Et mid là justement on peut essayer de faire une grosse sortie. On va déjà essayer de faire ça comme ça pour voir. Mais les pièges je vais les rajouter après au tout dernier moment. Merde, voilà. Bon là ça va être possible je pense. Ou pas. Attendez, où est-ce que je me suis merdé? Parce que c'est vrai que ce truc là, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ces bestioles là dans les Super Mario. C'est vraiment plus inhérent à Super Mario Maker ce truc là. Ouais, c'est faisable. Tranquillou. On rajoutera quand même un petit checkpoint au début. Hein. Ok, donc ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Hop. Un visiteur venu d'ailleurs. Bienvenue, Squave. Merci pour le follow. Alors ouais, les frères marteaux, j'ai déjà utilisé au début, donc je voudrais utiliser plutôt autre chose. Mais t'inquiète pas, on va quand même mettre des trucs pas très très gentils, je pense. C'est bon, là ça va, j'ai un peu simplifié. On va faire des sortes de mini montagnes russes comme ça. Un visiteur venu d'ailleurs. Yes, merci Zeming, bienvenue à toi. Bon, franchement, je trouve que je me suis amélioré depuis la dernière fois que j'ai essayé de faire un niveau. C'est un peu moins de la merde quand même. Même si c'est pas un truc de ouf, hein, vu les niveaux que je vois passer et que vous m'envoyez qui sont vraiment magnifiques. Ok. Attendez, avant que j'oublie, parce que quand même, faut pas que je sois trop salaud non plus. Hein. Mon but c'est pas de faire un niveau infaisable, c'est de faire un niveau qui soit quand même sympa. Checkpoint. Un petit checkpoint pour là-bas. Ils sont où les checkpoints? Je crois qu'ils sont à la toute fin, non? Attendez, on peut les faire tourner, je crois. Ouais. Voilà, comme ça au moins on est sûr de revenir ici à chaque fois. Ok. Pourquoi la navette elle s'emballe près des bics? Non. Quelle navette? J'ai pas compris. Par contre voilà, ce qui serait sympa c'est d'envoyer un truc au niveau des pics, des projectiles, mais je ne sais pas encore lesquels. Pas non plus des billes voltées commandées hein. Même un petit bille flamme. Pour que les gens ils attendent vraiment le bon moment. Comment on fait pour faire une rotation de ça? Voilà comme ça. Par contre j'arrive toujours pas à faire le copier-coller. Si quelqu'un a une... Une bonne astuce pour le copier-coller. Parce que je comprends toujours pas comment ça marche le copier-coller. Ouais mais le but ce serait d'avoir un truc quand même... Attendez je comprends pas. Parce que là j'aimerais juste pouvoir en mettre plusieurs d'affilée comme ça sans me prendre la tête.
comment savoir jusqu'à où balancent les flammes? Est-ce qu'on peut choisir la hauteur des flammes à balancer? À la limite, je peux mettre ça ici, en fait, directement. Ça, c'est plus sûr. Là, c'est pareil. On va mettre ça ici. Que les gens ils se précipitent pas trop. Ok. Et là, par contre, ça peut être sympa de mettre des trucs qui balancent des boules de façon un petit peu plus aléatoire. Hop. Canon, ça risque d'être vraiment trop chiant, je pense. Quoique. Si on les met bien en biais, ça pourrait être pas mal. Attendez. Ça, si on met par ici. Merde. C'est pas bien. Ça enverrait comme ça. Voilà. Un enfant pareil, mais de l'autre côté. Par ici. Là, un par là. Je sais pas si ça passe quand même, comme ça. Voilà. Pas plus que ça, sinon après ça va être très relou. Quoique, en plein milieu comme ça. De l'autre côté, pour qu'il y ait un timing. À suivre un minimum. Ça pourrait être sympa. Voilà. Non, encore plus bas. Voilà. Non, plus bas. Pourquoi j'arrive pas à viser en bas à droite? C'est quoi ce canon de merde? Peut-être comme ça. Ouais. Ça marchera mieux. Voilà. Du coup, les canons seraient peut-être mieux de les mettre sans pique. Derrière. Mais sinon, on pourrait les utiliser comme appui. C'est you, In-One. Bah oui, ça fait un petit moment, quoi de neuf. C'est Vraski. A plus, Starcraft. A bientôt. On va peut-être faire une petite sauvegarde quand même. Là, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas rien fait. Enregistrer sous. Bah tranquille, toi. Tu tapes l'incruste. Ça y est, c'est ton live. Là, je vous prépare la carte. Y revoir. Alors. Ah, mais copier-coller, ça fait depuis tout à l'heure que. Ouais, justement. Tu veux déplacer l'objet, tu mets ton curseur sur l'objet, tu restes appuyé dessus, tu déplaces et tu lâches. D'accord. C'est parce qu'en fait, il faut rester appuyé sur le bouton. Merci. Merci, Loulou. J'avais pas compris. Alors. Je sais pas comment l'appeler, quelqu'un a une idée de nous un visiteur con. Venu d'ailleurs. Merci Fire Wave Turbo pour ton follow. Un peu la crème avec les changements de température. Il fait quel temps à San Francisco, Linwan? On va l'appeler 2 pour l'instant, on le renommera. Au pire. Franchement, je suis nul pour les noms de niveau. Ok. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement refoutre un tuyau pour pouvoir sortir. Bon, et je suis plein d'ascenseurs. Ah, on va recommencer comme hier soir. Alors, attendez, hop. Donc, un petit tuyau. Attendez. Où sont les tuyaux déjà? Un visiteur venu d'ailleurs. Merci pour ton follow, Loulou. Là. Bah attendez, j'ai dû passer 10 fois devant le tuyau, mais j'ai pas vu. Ah, il est là. On va aller quelque part par ici. On va peut-être le baisser un petit peu, mais le but ce serait vraiment d'avoir dans une sorte de cage. J'espère que les gens. Pas passer à côté entre guillemets, plus comme ça je pense. Voilà, avec un petit une petite téléportation.
Merci beaucoup Gaming Slayer. Moi aussi je kiffe. Après j'arrive pas à en trouver de très très bonne qualité des chapeaux comme ça malheureusement. Celui-là ça va. Même carrément ce que je serais censé tenter de faire, ce serait de mettre un truc qui va de haut en bas. Un truc chiant. Juste avant le tuyau. Qu'est-ce qu'on a qui va de haut en bas? Ah ouais, mais avec le canon derrière, ça va pas le faire. On va pas être trop méchant non plus. On va laisser comme ça. Ok. Alors, voyons voir déjà si c'est faisable. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Mais sinon, jamais. Voilà. Je sais pas comment on peut faire pour timer les lance-flammes, pour les alterner ou les trucs comme ça. Oula, oula, perte de contrôle, perte de contrôle. Hop, bon. D'où l'intérêt du champignon de tout à l'heure. Oula, ouais, pas si facile hein. On retente. Je me suis mieux débrouillé que ça tout à l'heure. Je pense à remettre un petit checkpoint après quand même pour les gens, sauf que ce soit pas trop méchant. Ah tiens, d'accord, l'hélice, elle a une hitbox aussi. Off. Un visiteur venu d'ailleurs. Bienvenue Guillaume. Merci pour le follow. Allez hop, on redescend là. Merde, je vais aller un peu trop vers le haut. Allez Super Mario, on y croit. J'ai peut-être fait un truc plus compliqué que je pensais. Alors, faut m'expliquer pourquoi tous mes canons se sont pétés la gueule par contre. Pourquoi j'ai plus aucun de mes canons? Ouais. Ah! D'accord, il aurait fallu que je les accroche sur les côtés. Et là, du coup, le truc est peut-être un petit peu trop hardos ici. Je crois qu'en fait, ça, j'aurais pas dû les poser comme ça. J'aurais dû les mettre autrement. Ils sont plus en place. Du coup, celui-là, c'est chiant parce qu'il va plus dans le sens que je veux. Donc c'est pareil, celui-là, en fait, il faudrait que je supprime ça. Je vais le mettre ici. Non, pas comme ça. Voilà. Non. Ah putain, on peut pas le faire. Ouais, vous savez quoi, celui-là, on va le virer. Il sert à rien. On va mettre ça à la place. Voilà. Alors. L'endroit où ça commençait à poser un petit peu problème, c'était par ici. On va baisser tout ça d'un niveau. Voilà. Ici aussi. Même que ça reste un minimum faisable. Voilà, ça on peut le virer. Hop. Hop. Mais pas trop mal. Ok, on retente. Si Fab, oui si tu veux. Ben après en plus on en profitera pour tester vos niveaux. Là c'était juste parce que j'ai commencé à faire un niveau en attendant que l'online y refonctionne. A priori il a recommencé il y a quelques temps. Mais j'aimerais bien le finir. Au moins avoir un niveau pas trop pourri, valable à présenter. On y va tout doucement. Ah, j'ai dit tout doucement. Bon, ça passe, ça passe, ça passe. Vous n'avez rien vu. Tout était parfaitement calculé. C'est salaud ça, j'adore. Faudrait que j'en mette un à gauche. Bon, là ça va, c'est plus que large. Hein. C'est même trop large. Du coup, il y a moyen de rajouter un petit truc, je pense.
Bah, c'est celui-là qui merdouille, je crois. Faudrait que j'ajoute un petit truc quand même, quelque part. Qu'est-ce que je pourrais ajouter qui soit pas trop méchant non plus? Les boues, ça fait chier tout le monde, je vais pas mettre ça. Parce que le problème, c'est que la fin est beaucoup plus simple que le début. Mais en même temps, j'aimerais pas trop la rendre difficile. Si je mets le pire truc que je puisse faire, c'est mettre ça avec des ailes. Mais on va éviter. Ce qui serait cool, ce serait de mettre un boum boum par ici. Parce qu'il saute n'importe quoi, lui, je ne sais plus. Si on lui met des ailes, Oui, ça pourrait être intéressant. Ouais. Pour tenter esquive. Ok. Parce qu'on a la place d'essayer de l'esquiver ou d'essayer de le buter. Donc ça peut être pas mal. Alors, donc ça, on va l'utiliser pour pouvoir redescendre. Voilà. Du coup, on en est où? On est bienvenu par ici. Ça, on va le mettre en vert. Je préfère en vert. Et pourquoi il est dans ce sens-là? Voilà. Je crois que j'ai fait de la merde là, non? Attendez. Ça, normalement, c'est pour aller. Hein? Ouais, j'ai bien fait de la merde. Attendez. En fait, j'ai remis mon ancien tuyau sur le nouveau. Ah oui, sinon c'est pas marrant. Attendez, comment je peux faire pour. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer et le remettre. Ce sera plus simple. Je vais juste changer la couleur à la base. Hein. Voilà. Hop. Non, est good. Ok. Donc après, on était par là-bas. C'est Iron Wish, bienvenue à toi. Donc ça. Voilà. Ok. Dommage qu'on puisse pas varier avec une zone verticale sur le même niveau. Parce que là, on est déjà vachement loin. On va plus avoir la place de faire grand chose en fait. On va plus se mettre par ici. Qu'est-ce que je pourrais faire pour bien terminer le niveau? Si vous avez des idées, je suis preneur. Un truc qui pourrait être sympa à la limite. Attendez. Les plateformes mouvantes. À la limite, on peut en faire des non-mouvantes aussi. Quelques petits wigglers dessus. On pourrait pas trop mal comme ça pour pouvoir rebondir. Attendez. Pas besoin d'en mettre 10 000 non plus.
Ouais. Voilà. Après. Agandage qui laisse passer personne. j'aimerais quand même bien mettre un petit Bowser à la fin. Comment on fait ça les Bowser? Est-ce qu'on peut changer, on peut changer le drapeau du coup pour mettre un truc de Bowser, mais je sais pas comment. Vous savez le truc avec les grosses haches là. Comment on peut changer ça? Objet, ennemi, mécanisme. Non, c'est pas ça. Comment on fait pour mettre une hache? Ah, faut forcément que ce soit une forteresse de lave, d'accord. Ok. Un petit Bowser. Ouais, attendez. Ah, il y a un truc qui peut être sympa. On met un Bowser. Ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un affrontement, mais à la bobombe. C'est-à-dire, on va mettre un truc comme ça ici, voilà. On va mettre des bobombes qui pop dedans, et en fait, il va falloir combattre Bowser à la bobombe. Voilà. Et on met un truc au-dessus pour pas que les gens y puissent passer. Ouais, faut pas que je mette un truc qui pique parce que si les gens ils essaient d'esquiver les coups, ils vont se tuer. Ce serait pas très très gentil. On va vraiment mettre un morceau de terre, je pense. Voilà, un petit bloc comme ça, parfait. Ouais, donc ça. On va l'entourer comme ça pour être sûr que personne ne cheat. Et du coup le but ce serait que, voilà, on puisse sauter mais pas qu'on puisse sauter au-dessus de Bowser. Là ça me paraît un peu bas, mais je sais pas si on peut bien esquiver les coups, enfin les flammes qu'il envoie si je mets qu'ici. Sauf si je fais un truc comme ça ici, une sorte de cage de combat. Et puis là, comment on fait les blocs invisibles les gars? Parce que j'aimerais mettre un bloc invisible qui fasse apparaître, je crois qu'il faut juste que je prenne un bloc et puis que je regarde les options dessus. Et mettre un tremplin derrière pour ceux qui veulent arriver tout en haut. Non. Comment on fait un bloc invisible les gars? Ah, c'est pas con ça Gaming Slayer. C'est même une très bonne idée. Par contre, je sais pas comment on fait les objectifs. Je crois que ça doit être ici. Ouais. Ah! Ouais, mais du coup, je peux plus utiliser le drapeau relais. Et mon but, c'est pas que les gens y rachent et qu'ils y arrivent quand même. Donc, je préfère laisser mon drapeau relais quand même. Attendez, j'en étais où? Comment on fait les blocs invisibles alors? Reprends les blocs et cherche le bloc invisible, d'accord. Alors, bloc. Ah, là, d'accord. Bloc secret. On va le mettre par. Par ici. Voilà. Et dedans, on va mettre le tremplin. Comme ça, les gens, ils ont quand même une petite chance d'aller tout là-haut. Et après, on va mettre plein de blocs troll partout. Non, je déconne. Il n'y a rien de pire. Hop. Donc, ça, on va quand même laisser de la hauteur pour que les gens y puissent. Voilà.
Ok. Alors, ce qu'on va faire aussi, histoire d'être pas trop salaud. Donc, on est déjà assez en efface. On va quand même essayer de mettre un truc entre les deux, ce serait sympa. Et là, on a quasiment fini le niveau. Hein. Après, il ne restera plus qu'à mettre les pièces et tout. Mais ça me paraît plutôt pas trop mal abouti. Donc, pour pas que ce soit trop salaud. C'est vraiment pas mon but. Hein. Mon but, c'est que ça soit quand même un niveau sympa à faire. Pas forcément simple, mais pas non plus infaisable. Voilà. Comme ça, les mecs, ils reçoivent un petit truc en plus. Alors. On va tester à partir de là, du coup. Salut, Matela! Ouais, celui-là est trop haut. Voilà, un peu plus d'avant pour pas que les gens se les prennent. On éteint. Et là, du coup, ouais, on peut quand même rester dessus, mais si jamais on marche dessus, ça se pète la gueule ou pas? Parce que moi, je veux du tout. Bon. On mettra un petit truc par là. Merde. Pas si facile. Ouais, je serais d'avis de remettre quand même un petit peu les blocs plus haut. Voilà. Yep. Merde. Ouais, ça va être vraiment un travail de précision. Il se manque trop derrière Bowser. Merde. Je pensais que ce serait plus facile. On retente, pas grave. Je veux juste être sûr que c'est faisable. Bien. Vraiment un travail de timer et tout, de timing. Merde. Allez, sort. Là, il va trop en arrière aussi, Bowser. Ouais. On va plutôt se le jouer comme ça. Pas comme ça. On va y arriver. D'accord, merci Mariko. Il y a encore un salle privée, c'est cool. J'ai pensé qu'il fallait la refaire à chaque fois. Allez, bam, dehors. Merde. Un peu trop loin. Reviens par ici. Ah, le problème c'est que ça éclate les blocs là-haut. Quoique ça peut permettre aux gens d'adopter une autre stratégie, mais ça m'étonnerait que ce soit si simple. On va pas trop s'approcher non plus. Un boss de patience. Oh, presque. Il faut combien de bonbons pour le tuer, vous pensez? Merde! Dommage. En même temps, normalement on est censé arriver ici avec un champi, donc je vais quand même lui filer un champi. Merde, tant pis. Faut que ça reste faisable de toute façon. D'accord, si on lui balance ses bombes directement à la gueule, ça marche aussi de toute façon. C'est juste que les bombes c'est plus chiant que les tortues, c'est pas plus mal. Voilà. Allez. Donc
Je vais essayer de se balader un petit peu aussi. Là, tout doucement. Ah, il lui en faut combien? Merde. Oh, ta mère! Je suis en train de me faire niquer par mon propre niveau, quoi. Attendez. Bienvenue, Yukio! Et Royal Gloobie Bulga. Voilà. Bon, tant pis. Je sens que le final il va être pas si facile que ça. Oula, doucement. Voilà. Off, pas assez patient. Tu veux, Sraya? Au moins, tu sais ce que c'est, ça fait des développeurs des années 80-90. Bah écoute, tu sais, en informatique, j'ai développé sur de l'assembleur. Ah putain, plus jamais. Plus jamais, bordel. J'ai fait un mastermind par assembleur. Oh bordel, c'était tellement chiant. Merde, merde. Allez, Mario Football, Smash Ultimate, là. Je sais plus comment ils s'appelaient les Mario Football, là. Bon, tu meurs ou tu meurs? C'est cool. Mourir au moins avec les bonbons. Ah bah voilà. Ok. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup? Ouais, alors, on va commencer à mettre un petit peu les pièces et tout. Là, on est pas loin d'avoir fini le niveau. Je mettrai quand même bien un petit truc avant Bowser. Mario Strike Charge Football, c'est ça. Avec le champignon, ouais, mais off, quoique. Ouais, c'est vrai que t'as raison, Cupix. On va peut-être le virer du coup. Mais ça me fait chier parce que moi je voulais être bienveillant envers les gens et tout. Et... Mais en même temps, c'est totalement la saloperie que je ferais moi-même, donc bah oui. Alors, attendez. Pour moi, il faudrait un dernier truc. Un dernier truc par ici entre les deux zones. Parce que là, au final, le checkpoint il est pas trop loin. Un mini boss, un ennemi, un truc à sauter, je sais pas. Une énigme du père Fouras. Mais pas un truc salaud non plus. Ah, sinon, il y a un truc qui pourrait être sympa ici. On va tester un truc. Parce que j'ai encore pas trop utilisé les blocs on, tout ça. Merde, j'ai fait du brin là. De toute façon, on peut pas wall jumper, hein. Alors attendez. Le problème c'est que du coup les gens ils vont profiter des blocs pour sauter dessus, donc c'est pas forcément une si bonne idée. Ouais non, on va enlever cette idée là, peut-être pour une future map un jour, utiliser ces blocs là parce que c'est vraiment sympa quand même les blocs switch. Toi j'aimerais bien t'enlever ton... Comment on fait pour... Ah. J'aimerais quand même bien mettre un dernier truc pas là-bas. C'est yourself. Les champignons, tu te forces à faire perdre le champignon avant Bowser. Ouais, non, je trouve ça salaud les trucs où on est obligé de prendre du dégât.
tu dis putain, il y a une autre solution et en fait, il n'y en a pas. Et c'est un prix à tête sur une paire de niveaux que des gens m'ont envoyé. Ah, Denis, c'est parce que t'as préparé de champignons. Bah oui, mais normalement, on n'est pas censé pouvoir prendre un champignon. Enfin, on n'est pas censé pouvoir se sacrifier à coup de champignons. Ah, mets une petite pince. Ah, ça pourrait être pas mal ça, limite. Comme ça. Vous en pensez quoi? Ça restera un petit peu la zone. Tiens, on va tester ça. Merde. Voilà, ça passe. Hop. Ça reste faisable. Ouais. Fasse gaffe quand même au feu. Un tombe. Oh, on a déjà mis du tombe. J'essaie de faire un truc un petit peu variable à chaque fois. Pour pas qu'il y ait trop de fois les mêmes éléments dans le même niveau. Merde. Pardon. Là. Là, ça reste faisable. Ok. Amis, ce qui serait pas trop con à faire, je pense, ce serait de quand même mettre un petit bloc par ici pour que les bobombes se battent pas trop loin. Et du coup, la zone de combat avec Bowser, elle est peut-être un petit peu trop restreinte. Faudrait peut-être que je le mette un petit peu plus en arrière, non? Ok, là ça me paraît pas trop mal comme ça. S'il arrive pas ici. Voilà. Merde. Faut juste pas qu'il parte trop en arrière en fait. Pour pas qu'on puisse passer au-dessus. Ouais, non, ça devrait aller. Non, personne ne risquera de faire ça. Ok. Là, ça me paraît vraiment pas mal du tout, les gars. On rajoute quelques pièces quand même. Genre là, hop. Une petite pièce par ici pour que les gens y comprennent qu'il y ait un truc en dessous. Mais la deuxième pince, j'hésite à la virer, ouais. Mais je me dis si les gens. Ouah, quoique. Bon, allez, ouais. Du coup, celle-là, on peut la décaler un petit peu. On va juste être sûr que c'est bien faisable, par contre. Pour tout le monde. Ouais, largement. Ouais, ça se fait. Alors, on va quand même rajouter quelques petites pièces à droite à gauche pour bien indiquer le chemin. Limite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter quelques grosses pièces par là-haut. En mode récompense. Ok. On va mettre des blocs pour que ce soit pas trop dégueulasse quand même. Mais autrement, ça me paraît pas mal. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a des trucs à enlever, à rajouter, vous pensez? Ouais, déjà, on est pas trop mal par rapport aux dopes que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Faudrait trouver un petit nom pour ce niveau aussi, les gars. Si vous en avez un intéressant. Salut Dexant. Alors, attendez, hop. Du coup, on va retourner voir la première partie. Ah, oh, ça va être dur de sauter au-dessus de Bowser in one, là, comme ça. Attendez. On en est au 2. Ouais, des... Alors les pièges, je sais jamais trop où les mettre en fait. Ouais.
mettre à peu près comme ça. On va les mettre dans la trajectoire des canons, comme ça les gens ils pourront un petit peu prévisu. Ça peut donner un petit indice aux gens, qu'on soit trop méchant. Juste ce que je vois par rapport au boss que j'ai mis là, qu'il soit pas trop méchant non plus. Ok, ça me paraît pas trop mal comme ça. Il y avait une maintenance Kabudu, a priori elle est finie. Ok, donc là on en rajoute quelques-unes aussi. Il y a bien un truc que je serais tenté de faire, ce serait de mettre un deuxième Lakitu, mais avec un avec des one-up. Parce que en même temps ce serait sympa, mais en même temps avec les tapis roulants, je me dis que ça pourrait faire chier tout le monde. Attendez, Lakitu, Lakitu, Lakitu. Où est-ce qu'il est Lakitu? Il est là. En même temps, les one-up, ils resteraient bloqués entre les deux trucs. Pas forcément une bonne idée. Mais est-ce que je voudrais juste déjà voir si on peut lui filer des one-up ou Lakitu. Qu'est-ce qui se passe si on file des one-up? En même temps, les gens, ils essaieraient vraiment de les choper avec les tip-tip. Et oui, ouais, ça peut être un peu salaud. Pour les gens qui veulent un peu trop échopper, donc finalement on va le garder. Tu vas faire du bon taf toi. On va mettre un petit peu plus par ici. Ouais. Il est à la même hauteur que l'autre. Ouais. Ok, de la pièce. Fallait rajouter de la pièce aussi. Ouais, peut-être pas par là. Pas trop mal comme ça. Je savais pas que t'aimais bien Mario Maker in one. Hop là. Là on peut faire une belle zone de pièces. Un peu façon zone banane des Donkey Kong Country. Voilà. Ouah, quoi que là, ça fait peut-être un peu trop, non? Ouais, limite peut-être une sur deux. Voilà, comme ça. C'est Legvi. J'ai Mariko, je vais mettre des one-up pour être gentil, mais ça peut être un peu salaud. Un jeu, c'est certifié SM, c'est ça, SM, Super Mario, tout à fait. Ok, bah écoutez, ça me paraît pas trop mal. Ok. C'est ici pour faire joli, voilà. Là ces trucs là je voulais les mettre un peu en arrière. C'était trop en avance tout à l'heure. Ça fasse un peu chier quand même hein. Et à la limite voilà. Ça ici, merde. Y'a pas moyen de les mettre par là. Ah putain ça prend trop de place. Que les gens essaient de les choper quand même. Donc soit forcément une très bonne idée. Comme ça, la même chose là-bas. Voilà.
Donc, mais là. Et puis on met un petit mur de briques. Et pour les plus téméraires, on va mettre un petit bloc champi invisible par ici. Avec one up dedans, voilà. Non. Ça me paraît pas trop mal comme ça. J'ai quand même donné un disque qu'il y a quelque chose par ici. Ça me paraît pas mal. Est-ce que je rajoute quelques pièces au-dessus? On tente ça comme ça? Je sais pas si je crois pas qu'il y a des mini champignons là-dessus. Alors, on va sauvegarder ça. Est-ce que vous avez une idée de nom pour mon niveau? Parce que là, franchement, je vois pas trop quoi comment l'appeler en fait. Putain, ça fait déjà une heure que je suis sur la création du niveau, ça passe trop vite. Enregistrer les peupliers. Attendez. Enregistrer. Bâtard de Bowser. Mais ça pourrait être pas con à Coffee Level. Et du coup, faire une petite tasse de café au début. Comment dessiner une tasse de café avec des... Un petit mug comme ça. Ah, on peut en mettre qu'un certain nombre des pièces, on dirait. En même temps, ce serait pété sinon. Si on peut virer, à la limite ça sert à rien. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? D'accord, c'est parce qu'il y a certains endroits où on peut pas. Du coup, où est-ce que je pourrais mettre ma tasse? Peut-être plus par ici. Alors je vous préviens tout de suite, je suis nul en graphisme. Hein. C'est Isol. Ouais, c'est pour ça que j'ai déplacé. Bref, je sais pas si ça vaut la peine. Attendez, je réfléchis un petit peu. Hein. Ça m'arrive de temps en temps, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, n'appelez pas les urgences. Ouais non, je pense que... Je pense que je vais laisser tomber l'histoire de la tasse de café. Bon. Mais on va quand même l'appeler Coffee Level. Enregistrer sous. Bon, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Je pense que largement. Faut-il encore le valider? Allez. Terminer le début.
Mon beat. Oula. Ouais. Pardon. Faudrait peut-être que j'en rajoute un. Salut Adam, elle vient de finir il y a quelques minutes là maintenant, ça, Adam. Mais tout à l'heure on pouvait pas jouer au jeu. Enfin, on pouvait pas jouer sur un niveau online quoi. Bah alors, ah voilà, tout à l'heure j'y arrivais, je me disais bien. Ah, il y a un chip qui est un petit peu en avance. Oula, il me chie un peu trop celui-là quand même. Bien. Attention là-haut. Ça. Ah putain. J'allais dire ça passe crème, mais non. Allez, rentente. Voilà. Raté. Yay. Bon, on peut le mettre un peu plus haut ce chomp-là, je pense, en vrai. Ouais, mais là, le problème, c'est que du coup, le Lakitu, il fait scier, en fait. Il casse les couilles. Arrêtez le test. Le deuxième Lakitu qui balance ses champignons, en fait, il est pas assez rapide. Du coup, il est plus là pour faire chier qu'autre chose. Sinon, faut mettre un peu plus haut. Parce que le but, c'est pas qu'il soit des obstacles en tant que tel, mais... Voilà. Et le tourbe, je pense qu'on peut le mettre un poil plus haut. Il faut 4 visibles quand même. Bah c'est ce que je fais Adam parce que Adam parce que sinon je peux pas vous streamer le niveau quoi. Salut RHF. C'est Mario, t'as oublié la moustache et c'était parfait. T'es passé caché sous ma barbe. Oula, j'ai trop traîné là. J'ai trop traîné. Hop. C'est bon. Et si c'est où là? Ah, par contre, moi j'ai pas été assez loin. Bah, du coup, le deuxième là qui tue, j'ai l'impression qu'il sert à rien. Ouais, on va virer le deuxième Lakitu, c'est dommage, je trouvais sympa le principe du... Mais même le premier, il balance pas les trucs assez vite, je sais pas s'il y a moyen d'augmenter sa vitesse. Tu peux pas être un peu plus rapide que ça? Non, on peut pas. Bon, du coup, on va virer celui-là. On va être chiant. Et même le tombe, je pense qu'on peut le monter encore un peu plus, du coup. Oh! C'est pas ce que je voulais faire. Attendez. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est raccourcir ça. Je pense que ça marchera mieux comme ça. Parce que le but, c'est pas de le mettre hors vue. Faut que les gens le voient bien. C'est vraiment qu'il arrive juste à temps. Merde. Pardon. Ok. On retente. Allez, on y croit. Oh, ça va, il est pas encore trop méchant, Fire. Ouais. J'en ai testé une période que m'a envoyé Capitaine Doigt il y a quelques jours. Ces niveaux, fallait vraiment les tester plusieurs dizaines voire centaines de fois avant de les réussir, mais c'était pas impossible non plus. Et je les ai bien kiffés, mine de rien. Et j'ai presque pas ragé dessus. Pour réussir à bien avoir bonne trajectoire. Merci Matt pour ton follow, bienvenue à toi. Hop là. Tiens, on va pas se faire chier. Voilà. Merde, je pensais pas qu'il revenait aussi vite lui. Ouais, non là du coup, pour le coup, il est encore un petit peu trop le truc, je crois. J'aurais peut-être pas dû l'éloigner autant. Il était pas si mal que ça avant, mais il servait plus à rien en fait.
Je pense que comme ça devrait pas trop mal marcher. Ça devrait marcher là. On devrait être bien. En fait, limite, la première tortue, il aurait fallu la rapprocher pour avoir plus facilement la deuxième. Merde. Essayez les 100. Non. En vrai, les frères marteaux, c'est vraiment l'ennemi que je déteste dans le premier Mario Bros. C'est eux qui me niquent des parties complètes. Oui. Là, normalement, c'est pile poil, voilà. Il y a ça qui tombe, on attend un petit peu, on fait gaffe à la qui tue. Ouais. Là par contre c'est peut-être un petit peu salaud. Donc, sinon faut assez d'élan mais il faut le savoir quoi. Je sais pas si je vais rapprocher ou pas. Normalement c'est le plus largement possible. Bam. 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 Easy. Voilà, là on attend un petit peu. Au pire, il y a toujours la qui tue qui peut nous amener par là-bas. Voilà. Checkpoint. Ça me permet d'aller là-dedans. Petit champ... Ah putain! C'était salaud ça. Ah putain, il faut réussir à le faire en entier sans mourir, d'accord. Ok, ok. Je sens que je vais en chier pour valider mon propre niveau. Allez, hop. Ouais, là j'ai fait de la merde. Ouais, justement, le principe du pilier, c'est que ça oblige les gens à sauter pas trop haut. Donc si je le monte, c'est moins marrant. Putain, la fleur à droite, je pensais pas qu'elle serait aussi chiante, mais elle est chiante. Voilà, là on est bien. Hop là. Putain, tu es chaud. Bien. On peut expliquer pourquoi je suis passé au travers du beatball. Mariko. Comme quoi le sadisme ça se paye hein. Bon en même temps il y a tout le monde qui met des devs d'or pour pouvoir finir ses propres niveaux. Mais nous on va essayer de le faire de façon vraiment edgy pour le coup. Merde. Et comme la deuxième partie, je la connais pas encore très très bien. J'ai juste testé vite fait. Je risque de douiller. Surtout avec l'espèce de mini-boss que j'ai mis. Ah merde! See what the pumpkin! Ouais, la hitbox a été à chier en effet. Pour le build. Voilà, là on est tranquille. Là on tank et crash. Voilà, là. Yes, tout se passe bien. On se fait vraiment du bout. Ça passe. On attend un petit peu. Dommage qu'on puisse pas timer plus précisément le truc à droite. Là, je suis obligé de me prendre les dégâts parce que je suis grand du coup. C'est un peu con. Mais j'aurais pu faire le saut en accroupi. De toute façon, c'est pas trop grave parce que là, on récupère le champi. Ah, là, j'aurais pu mettre des pièces ici. Tant pis. Un petit peu. Ah! Bon, normalement, à partir de là, je me démerde un petit peu mieux. Ah putain, non! D'accord, ce canon-là, en fait, il fait chier. J'aurais dû le mettre un peu plus bas, non? Bam, bam. Là on est bien. Sinon il y a moyen de cheater en vrai, mais on va pas le faire.
je devrais mettre un mur entre les deux. Sinon on peut cheater avec le... Avec le... Comment? Le nuage de la qui tue. Je viens d'y penser. Parce que le reste de la map est de l'autre côté, hein, je vous rappelle. Du coup tu peux prendre le nuage et puis finir ma diolo. Merde. On va peut-être virer les piques au-dessus. Pour les gens ça va être chiant, ils vont forcément se prendre un dégât ici. Ok, déjà ce qu'on va se faire ici, pareil, un pic de mon ici, ça pourrait être mieux. Ok, on va faire les ajustements. Le plus dur dans la récréation de niveau. Ouais, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui malheureusement jouent pas le jeu et se font des échappatoires pour... Pour entre guillemets détourner leur validation. Parce qu'ils ont la flemme. Mais autrement ça me paraît pas trop mal. Hein. Un visiteur venu d'ailleurs. Merci pour le follow, What the Pumpkin. Bienvenue à toi. Vous voyez, donc là si on met ça ici, au moins ça évite que les gens ils fassent n'importe quoi avec les nuages. Alors on va retourner sur l'autre face. Allez, j'y étais. Non, ah putain, j'ai vraiment du mal. Bon, en tactile ça va être tellement plus facile la création de niveau. C'est Bluestone. D'accord. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va. Il y a une quête de hauteur, donc quelque part, on peut essayer ça comme ça. C'est plus ici que j'irai celui-là. Là aussi. On va se le tester comme ça. Oui, j'ai vu ça, Jawan. Mais bon, moi je suis Mario, hein. Luigi, je suis pas fan, Toad non plus. D'accord, Switch. On verra ça un petit peu après. Yep. Ouais, là, je fais du brin-brin, pas grave. Ça passe. Le chip-chip, ça va, ils sont pas trop chiants. J'ai rien dit. En fait, ouais, dans mon niveau, faut pas hésiter une seule seconde, quoi. Là-bas qui casse les pieds en fait. Bam, bam, c'est good. Yes. Ça passe. On attend pour réussir à passer à la deuxième partie. C'est ça qui va être le plus chiant pour moi. Voilà. Oui, je valide sans checkpoint. Bienvenue Masky, Masky. Donc là voilà, c'est la partie chiante pour moi. J'aurais peut-être dû baisser le niveau des pics ici. Voilà. Et là, tout doucement. Précision. Hop. Pas grave, tout va bien. Vous n'avez rien vu. J'ai parfaitement piloté et contrôlé mon engin. Oh merde, dommage. C'est le combat de fin qui va être trop dur pour moi. Oula, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok. Un visiteur venu d'ailleurs. Hop. Merci Adam pour ton follow. Hop là. J'étais plus concentré. Il est un peu salaud mon niveau, mais on va y arriver. Merde, tant pis, si on t'en fout. Voilà, c'est vraiment la deuxième partie qui fait chier. Ouais, moi mon but c'est vraiment de faire un niveau faisable, c'est pas de faire un niveau difficile mais faisable. Et varié, et marrant, et pas injuste.
que c'est ça qui faisait chier dans Mario Maker 1, c'est que t'avais trop de niveaux troll ou avec des astuces qu'il fallait absolument connaître, sinon c'était impossible. Alors que là, le but c'est d'avoir un niveau, il faut juste un petit peu être patient. Là, doucement. Merde, dommage. Off! Dommage. Mais non, si je mets des... Tazel, si je mets des... Si je mets des checkpoints, je peux pas mettre de but. Là, ils sont activés, mais en fait, le jeu te force à faire la partie sans les checkpoints, avec les checkpoints, pour être sûr que tes checkpoints soient pas déconnants et t'empêchent de progresser, en fait. Sinon, imagine, tu meurs, et en fait, à l'endroit où tu reconstruis un checkpoint, ça t'empêche de finir le niveau, en fait. Donc, c'est une double sécurité, quoi. Merde, j'aurais pas dû faire un super saut dès le début, mais ça devrait passer quand même. Bah... Off ! Est-ce que vous pensez que je vais réussir mon niveau un jour ? Parce que le pire, ça va être le combat contre Bowser à la fin. Oh, ça, on s'en fout. YOLO. Oh, oh. Je crois que je suis un petit peu acculé. Voilà. Ça passe. Attention, Iris. Oh! Bonjour le monsieur caféiné, comment vas-tu? Petite surprise en arrivant, émoticône souriant. Merci beaucoup, Jay. Oh merde! Merci pour le don, Jay. Bah ça va et toi? Non, pas de sortie de secours, Tazel. On fait de façon legit. Ou sinon, on fait une sortie de secours, mais encore plus hard que la vraie sortie. Une sortie de secours troll, tu sais. Et oui, Jay. Hop. Merde, bon, s'en fout. YOLO. Ouais, le champi du début est purement optionnel, hein. On le perd aussitôt. Oula. Il n'a pas avancé mon droit que d'habitude. Mais j'y arrive tout le temps saut. Oh. Wing. 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 Il est arrivé au bout d'un moment. Voilà. On est bien. Si tu veux The Bluestone, bah de toute façon vous le verrez l'idée à la fin. Si j'arrive à le valider. Voilà. Enfin, si je m'y rentrais dans le truc. Là on prend bien son temps. Si je pouvais arriver à Bowser avec le champi, ce serait pas déconnant. Ah putain, à chaque fois je me fais avoir. Avec la hitbox de hélice. Je la prends jamais en compte. Bon, en vrai heureusement que les gens auront le checkpoint. Voilà. Voilà, normalement, le boss, il fait pas trop chiii. C'est Warren, bah juste excellent, possibilité infinie, les niveaux qu'on trouve sont bien sympas, la création est largement faisable. Autant la dernière fois, je comprenais rien à l'outil de création. En même temps, il y a des tutos que j'ai pas fait. Hein. Mais là, franchement, ça s'est bien passé, puis il y a eu plein de bons conseils qui m'ont été donnés. Bon, après, ça reste un niveau simple à faire, hein. Enfin, à faire, à concevoir. Que j'ai fait. Petit en 28. Oh. Pas très honnête. Je pense qu'à la fin de la validation de mon niveau, je vais être comme un lendemain de cuite, perso. Voilà. Pire, faut que je fasse un saut accroupi, ça passera très bien. Regardez mon champi à la fin. D'ailleurs, j'avais réussi à faire mon saut nickel. Je sais pas pourquoi j'y arrive plus là. Merde. Bon bah, problème réglé.
Mais bien, voilà. Allez. Doucement. Fais attention. Lightbox. De hélice, ce coup-ci. Voilà, bien. Non ! J'avais dit de faire attention. Il m'écoute pas. Il m'écoute jamais, Super Mario. Pour ça, moi, je joue bien, c'est lui qui fait de la merde. Allez. Vite, 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 vite. Voilà. On est bon. Je reste concentré. Hop là. Attends un petit peu, ça baisse de l'autre côté. Voilà. Attention aux flammes. Oui. Oui. Là, faut pas que je me... Ah putain. Ah putain. Bon, en vrai, heureusement qu'il y a un checkpoint avant, mais je suis obligé de valider le niveau sans checkpoint. Donc pour ceux qui voudraient le tester, vous inquiétez pas. Au pire, ça va vous faire commencer juste avant les... Juste au niveau du tuyau. Et moi, je suis obligé de valider ça. Ça, par contre, c'est relou. En même temps, c'est normal, sinon on pourrait tellement faire glitcher les niveaux. Raté. Voilà. Oing. Là, on est bien. On a tiré bien au centre. Voilà. Ce serait bien que j'arrive à garder mon champi. Même si je crois pas une seule seconde. J'aurais pu aller direct en fait. Voilà. Attends le petit tir. C'est-à-dire que je voulais rajouter encore des trucs ici finalement. Les pics eux-mêmes ils font déjà le taf. Hein. Ouais. Non. J'étais un petit peu trop pressé. Ah dommage. J'étais bien parti pour garder le champi. Pas rusher sur mon niveau. En plus c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas rusher, mais je m'écoute jamais. Je m'écoute jamais. Oh putain. J'aurais dû attendre. Putain c'est con, je suis à deux doigts de finir mon niveau depuis tout à l'heure. On s'en fout, hop. Swing, swing, voilà, swing. Ah, j'ai pas assez sauté. Voilà. On est bien. Si j'ai compris, t'avais pas de barre avant d'essayer de valider le niveau. C'est tout à fait ça, RTF. J'avais même pas encore le droit de boire. c'est la volonté que m'a laissé mon grand-père avant de mourir, c'est de valider son niveau. On est bien. Non, on est pas bien. C'est, voilà, là on est bien. Là, bah là on est plus bien. Voilà. Et maintenant il faut que j'essaie de pas me prendre les tirs de Bowser. Ce serait vachement cool. Ça j'aurais dû le mettre un peu plus à droite celui-là je pense. Mais en même temps je vais faire en sorte que je sois sûr que personne ne se le prenne en atterrissant. Oh merde. Allez Kofi, tout l'univers t'envoie son skill. Merci Jay. Merci pour ton don et merci à l'univers. Allez, on joue au foot avec Bowser, s'il veut bien. Oula. Ça a explosé le truc à gauche. J'aurais dû mettre un bout de mur. Ah, bon, on va le changer tout de suite parce que... Du coup, j'avais pas prévu ça. Attendez, hop.
voulais pas que ça explose, sinon ça va être trop chiant pour les gens. 9, voilà. Donc du coup on va virer ça. On va mettre plutôt... Voilà, ça. Ok. On retente. Son grand-père tourne même a été enfermé dans une carte. Franchement, Warren, c'est sympa. Franchement, à la base de la création de cartes de map, c'est vraiment pas mon truc. Mais là, j'étais un petit peu obligé parce que l'online marchait plus et finalement, je regrette pas, je me suis bien amusé. Bon, là, je suis en train de commencer à regretter, mais. Autrement, c'était amusant. Ça change. Après, bon, je sais que j'aurai jamais le skill que certains ont pour faire des magnifiques cartes. Voilà, bien. Ah, putain! Ça, j'ai jamais fait. Ouais, il y avait de la maintenance, Jay. On s'en fout. Ah, bah tiens, ça fait longtemps ça. Ouais, mais c'est le but, Gaming Slayer. C'est le but, parce qu'avec la fleur de feu, on l'a déjà fait mille fois. Combattre Bowser avec des bombes, c'est badass. Il y aurait eu un AK-47, je lui aurais foutu direct, mais il y a que des bombes. Hop là. Raté. On est bien. Ah franchement les maps sont vraiment très très bien en moyenne, Warren. Moi je m'amuse bien en tout cas. Il y a des trucs vraiment très très réussis, des trucs dont tu serais même pas douté. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ça passe, tout était pré-calculé. Ça passe, je vous dis que ça passe. Voilà. Oups là, j'ai dû me faire voir. Sérieux? Pourquoi? Philippe. On s'en fout, bam bam. Bon, est-ce que vous pensez qu'un jour je vais réussir à valider ce niveau là? En prenant en compte que je suis tombé qu'une seule fois sur Bowser depuis tout à l'heure. J'ai voulu faire une tête. Passer pour boire, pourtant il y a plein de pièces sur les niveaux. On s'en fout, hop, que l'eau. Ouais, là j'ai trop traîné. Je pense pas à HF. Par contre, j'ai hâte de. Si j'arrive à le valider, j'ai. Bah, je pense que j'arriverai à le valider, hein, à force. Il y aura bien un moment où le jeu en aura marre. J'ai hâte de voir les stats des joueurs dessus. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode comme dans Super Meat. Ah, dans Super Meat Boy où tu peux vraiment voir tous les essais et tout. On y croit. Tant pis. Voilà. Carrément, il me vexe. Venu d'ailleurs. Et bienvenue Saiyajin34, merci pour le follow, vous êtes plein de nouveaux, ça fait plaisir. 751 followers, c'est énorme.
Hop là. Vite. Hop. On y est. Oh, putain, j'étais trop vite. Merde, utilise la force du rebond pour aller plus vite. De façon précise. Ou pas. Putain. Kofi s'est trop lui-même. Ce n'est pas vrai. C'était juste une mauvaise stratégie de ma part. Hop. Hop. En fait, le souci, c'est les boules de feu de Bowser qui sont trop random à la fin. À la limite, j'aurais dû mettre une plateforme qui tourne, comme ça, ça laisse le temps de voir ce qui arrive. En même temps, dans ce niveau-là, j'ai mis tous les trucs que j'aimais pas, en vrai. Enfin, avec lesquels je galère. Les frères marteaux, les trucs et tout. Mets-lui des ailes. À ce rythme, la sauce sera bientôt les 1000. As-tu prévu quelque chose pour le jour où ça arrivera? Merci Jay pour ton nom. Bah écoute, on sera un gros live le jour où on sera 1000 follow. Un gros live jeux vidéo, musique, tout ça, blabla. Déjà, j'aimerais bien vous faire un petit live musique, un de ces quatre, parce que j'ai toujours pas fait de musique sur Twitch. Ça pourrait être sympa. Voilà. Merde. Oula. Panique. Moi j'étais pas trop mal parti. Hop. Voilà, et là j'ai même 10 fois la place de passer en vrai. Parce que tu sais, Firewave, j'ai un travail, j'ai des trucs. Enfin. 24 heures de live, le souci c'est que. Déjà 12 heures de live, j'ai fait une paire de fois, mais c'est très difficile d'organiser ça. Déjà dans la vie, j'ai du mal à avoir 4 heures tranquille. Alors 24 heures. Je vais un peu me faire défoncer et par mes élèves, et par mes groupes, et... Salut Tigre Noir. On essaie déjà de finir la validation du mien, puis après, on a quelques niveaux à faire avec les viewers. Tout doucement. Voilà, bien. Ah pute. C'était moche. Prof de musique Switch particulier. Et en ce moment, même avec les vacances, je suis un petit peu pris par les concerts. Là, on a fait 6 concerts en 8 jours. Je suis un petit peu sur les rotules, du coup. En parallèle des cours et tout. Donc, claquer un 24 heures de Twitch comme ça, c'est un petit peu compliqué en vrai. Ah merde! Je joue de quel instru? Bah, à la base, je suis surtout. Enfin, à la base. Ça dépend de quelle base on parle. Je fais principalement de la guitare et du chant, mais sinon je fais de la basse, de la batterie, un petit peu de clavier, un peu d'ingé son. Et à toute base, je suis violoniste altiste. Il y a quelques instruments que je tâtonne vite fait comme ça, mais sans plus. Hop. Ah, le violon, c'est le pire instrument du monde. Et je peux vous le dire, j'en ai fait en conservatoire pendant une douzaine d'années. Si vous voulez apprendre un instrument amusant, où vous pouvez faire des trucs sympas sans avoir à bosser au moins une heure par jour pendant 5 ans, ne choisissez pas le violon. C'est l'instrument le plus ingrat du monde. Et je crois que, le violon pour pécho, c'est tout pourri. Hein. Ne tentez même pas.
À la limite, si vous voulez pêcher en maison de retraite, il y a peut-être moyen. Hop là. Allez, on se concentre un petit peu. Oh non, trompette, ça va. C'est pas plus dur qu'un autre soufflant. Attends le bon moment. Vas-y, crache ton venin. Voilà. On y est. On va se concentrer. Merde. Ça commence mal. J'aurais pu faire pire, j'aurais pu faire comment, le sol destructible ici. En mode, t'as pas le droit de laisser plus de temps de bonbons. Putain, on s'éloigne un petit peu parce que là on est mal. On attend qu'il se rééloigne. Le problème c'est que des fois, la trajectoire de ces trucs bouge au dernier moment. Je sais pas si c'est vraiment triste les gars là. Allez, on l'a presque. Merde, ça passe pas. J'ai peur qu'il y en ait un qui redescende vers le bas. Oui! Hop. Validation du niveau. Ah. Le didgeridoo, c'est un peu chiant à transporter quand même. C'est plus intéressant dans le triangle. Ah putain, faut encore terminer du drapeau relais. Bon. Bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. First try. Pardon. Attends, il va falloir revalider de l'autre drapeau relais aussi, j'imagine. Ah merde, bon, faut que je prenne mon temps quand même. Allez les gars, je viens de voir aussi. Merci à tous parce qu'on vient de dépasser 10 000 vues sur la chaîne Twitch. Je sais pas si c'est important ou pas, mais ça fait un joli chiffre. Un petit peu, là on peut y aller je pense. Oui. Allez, bouge pas, t'es bien là. Là, je vais me prendre la bombe. Oh ta mère. Je pensais pas qu'il était aussi chaud mon niveau. C'était moche. Voilà. Pourtant, il y a. C'est ça qui m'étonne, c'est que les éléments apparemment ils sont pas infaisables, il n'y a rien de prolesque, etc. Mais il est quand même assez hard. Non, mais ça c'est moche. Ouais, je pense. Yep. Je pense qu'il passe facile en catégorie hard ce niveau. Voire même peut-être en Veryard, non, il faut combien de pourcentage pour que ça passe en Veryard? Parce que là j'ai dû le tester au moins une cinquantaine de fois avant d'en être là. Et encore, je sais ce qu'il y a dans le niveau parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc quelqu'un qui le découvre, ça doit être un peu plus chaud encore. Oula, t'approches pas trop s'il te plaît. Oh. Ouais, je pense que c'est plus expert pour le coup. Le meilleur moyen de faire un chichi à un fan de Zelda, bah appeler Link Zelda tout simplement. Mais il a cassé ma bobombe. Tiens, une tête. Oula, t'es un peu trop près. En fait, j'ai jamais vu encore quelqu'un qui proposait le fait de battre Bowser à la boboum. Ça change. Oui! Attention, attention, c'est pas le moment de foirer. Voilà. Merci Mariko. Ah oui, putain, il est bientôt midi. Ça fait depuis 2 heures que je suis sur la création de mon level. Terminé du drapeau relais. Ah putain, ça doit être celui d'avant encore, celui-là.
Bah, pourquoi il me demande deux fois du même drapeau? Ah, non, c'est pas le même. Oui, monsieur, il est chiant. C'est la pire partie pour moi. J'ai pas utilisé ces machines-là, moi. C'est les machines du diable. J'en ai quand même mis une. Non, si tu veux être encore plus chiant, tu dis Switch, tu dis putain, Zelda, c'est un peu, ça paraît un peu copié sur Peter Pan. Là, tu trigger facile. Vite, vite, je crois qu'on a le temps. Ouais, non, c'était pas une bonne idée finalement. Un visiteur, ça passe. Bienvenue Titi. Merci pour le follow. Allez, on a encore moyen de moyenner. J'espère juste qu'il faut aller jusqu'au prochain checkpoint. Pas qu'il faille battre Bowser, sinon là je suis un petit peu dans la marde. Attention mini-boss. J'aurais pu le foutre autre part, c'est un peu plus chiant en vrai. Là pour l'instant il m'a pas encore trop fait chier. Ah putain, faut quand même que j'arrive jusqu'au boss comme ça. Bon, la végétation de certains niveaux est un peu relou quand même. Chaud. Merde. Ça passe. Oula. Ah non. Oh bordel. N'empêche, c'est bien fait parce que quand même, c'est fait de façon à ce qu'on puisse pas... en fait, qu'on bloque pas avec les checkpoints s'il y avait un objet à prendre avant, etc. Ça rend vraiment le niveau faisable dans tous les sens. C'est chiant à valider du coup, mais au moins ça évite d'avoir des niveaux cassés. Vraiment infaisable. Oula, merde, 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 merde. Mais bon. Voilà, hop, je swing. Attends qu'il y en ait 3. Voilà, la troisième est là. Bien. Yes. Prends pas de risque. Oh putain, elle a pété plus tôt que prévu. Oh, merci beaucoup Orphan. Coffee Pro du mapping. Merci pour ton nom. Oh merde, j'ai fait de la merde. C'est vite aussi qu'il y ait des checkpoints qui servent à rien. Ou inatteignables, je crois. En mode troll. Non, oui. Attention, voilà. On passe en dessous, parfait. Oh putain! D'accord, ça passe à travers la machine, mais si ça touche l'hélice, c'est mort. Je viens de capter. J'ai rien compris. Oui. Wing, voilà. Voilà. Là, c'est un petit peu chaud, patate. Ah oh, putain, l'hélice, la hitbox de l'hélice, j'oublie à chaque fois. Allez, y'a moyen. Là, j'ai fait du brin. Oh, je pense que j'y arriverai mieux, Switch. Puis j'ai fait pire. Hein. Genre, j'ai platiné Crash Bandicoot, Trilogy, les 3 et le DLC. Thank you.
Hop là, ça passe. C'était parfaitement calculé. Oula. N'oublie pas de rendre un peu de skill à l'univers à Procker, sinon tu seras officiellement le seul main. C'est ce qu'il est de l'univers. Si seulement Jay. Encore merci mon Jay. Hop là. Allez, crash, voilà. Voilà, doucement. Yes. Hop. Là, ça c'est la première fois que je le fais. On va y arriver. Bien. Bon, ça c'était caca. Allez, on est passé quand même. Ah non, bah ça a pas marché. Faut que je prenne mon temps, faut que je prenne mon temps. Voilà. Ça passe. Ça passe, ça passe. J'ai dit que ça passait. J'aurais pu remonter en fait. J'ai hésité. Ah, ces canons, je pensais pas qu'ils seraient aussi chiants. Au final, j'ai bien fait de les mettre comme ça. Et celui en bas à gauche, là, tout de suite, il est pas si chiant que ça. Nyeh. Suis patate rose. Ah, et là, je vois, je suis un petit peu au bout de ma vie. En plus, je suis crevé. Il y a Luna qui m'a réveillé à 5h du matin. J'ai dû dormir genre 3-4 heures encore. Donc là, le jeu est en train de m'achever. Merde. Après, hein, je me prends un petit cafeuseux et puis au dodo avant j'arrive de cet après-midi. Faut que je sois en forme pour Horizon. Horizon. Salut Sans. Vas-y, vas-y, Agimux. Merde. Non, ça passe encore. Normalement, on peut faire jusqu'à 3 rebonds. Allez, on se concentre. Oh. Je suis de moins en moins concentré, hein. Voilà. Yay. Voilà, pas trop bas. Là, on essaie de se concentrer un petit peu quand même. Ça pourrait être bien. Ça changerait. Oui. Oui. Oh putain, je vais arriver devant Bowser avec un champi, ça va être cool. Par contre, faudrait que je fasse encore plus gaffe au projectile du coup. Merde. Bon, j'aurais dû fermer ma gueule moi encore une fois. Ah, c'est toujours un peu random les flammes malheureusement. Ça aurait été bien de le mettre un peu plus loin pour pas que les flammes passent trop chier non plus. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette! Pokémon Noir 2 complet. Qui manquait la question? Alors, si tu passes. Ah putain, il a mis du feu sur tes jeux? Dis-moi où il habite le mec, on lui pète les genoux ensemble. Merde, 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 merde. Ça passe, ça passe. Ah putain. La hitbox de Lys, à chaque fois j'oublie. D'accord, la gaming box, tu me rassures. Merde. Épée, switch. Mais bon. Épée, bouclier, c'est comme rouge ou bleu, ça change absolument rien. Juste quelques Pokémon dispo. Bon, maintenant avec les échanges online, les Pokémon qui manquent, c'est assez facile à avoir par rapport à avant. Avant, il fallait que t'es le bot qui avait l'autre version et qui voulait bien de lâcher certains starters aussi. Il n'y avait pas encore Pokémon jaune.
voulais tester un truc, ça n'a pas du tout marché. Allez, c'est la bonne. Ouais, on est good. Yes. Un troisième. Ouais, là on est plus passé. On prend pas trop de risques. Oula. Ah putain, j'ai trop peur qu'il m'explose à la gueule la bombe, du coup j'hésitais à retourner à gauche. Voilà. On va y arriver au bout d'un moment. Hein. C'est pas mal. Ouais, on est même plutôt... Ah putain, je me suis trop pressé. Comme un citron. Dommage. J'aimerais bien avoir un champignon un jour pour arriver devant Bowser. Oh putain. Oh, c'était moche. C'était tellement moche. Oh. Voilà. Sans, là on essaie déjà de finir le mien et après on a déjà quelques petits niveaux qui nous ont été présentés. On va voir au fur et à mesure, mais je crois qu'on aura vraiment pas le temps de tout faire. Surtout que j'ai un petit peu de travail qui m'attend cet après-midi. Donc je préfère te prévenir que garde-le plutôt au chaud pour demain. On aura sûrement un peu plus de temps de tester les niveaux. Oh putain. Ça passe. Hop là. Voilà. Il en envoie presque pas des boules de feu. Et au moment où je vais y aller, il va y en avoir trois qui vont se balancer dans ma gueule. Quand on y arrive en mode grand, en fait, on se prend le mur, c'est ça. J'aurais dû me baisser. Attends, normalement, on y arrive sans souci. D'ailleurs, j'avais pris un champignon au début, ça marchait très bien, donc j'ai juste dû niquer ma trajectoire comme un con. Merde. Oui, The Blue Stone, je suis toujours dessus. Mais je suis un peu moins mauvais qu'avant quand même. Le problème, c'est qu'il me demande de revalider les deux checkpoints. Donc je suis obligé de refinir là le checkpoint le plus chiant. Donc je pense que je peux rester justement sur les pics du bas. Ah oui, mais ça lui fait quand même rebondir comme ça, d'accord. En tout cas, ça fait pas de dégâts. Ah. Sauf si je fais de la merde comme ça. Hop là, voilà. Voilà, hop, oh, putain, c'est pas le même timing que tout à l'heure que j'utilise là. Yes, ça passe. Même si on sait jamais où il va les envoyer. Il se rapproche, je crois que j'aime pas ça. Ah putain! Merde! C'est Megavolt! Bon, je pense que le niveau il sera en mode expert hein, sur les niveaux infinis.
J'ai pas une intuition. Fais du brin-brin. Qui voudra tester mon niveau? Il est trop bien, il est très amusant et totalement faisable. C'est là où il passe en easy et ça m'étonnerait. On peut savoir dans quelle courbe de difficulté est son niveau quand on l'a mis en ligne. Oula, j'ai fait du brin là. Merde. Carrément la gaming. Faudra que je regarde la rediff alors. Bon, maintenant je sais mieux utiliser ce truc là au moins. Ça m'aura pas fait perdre mon temps. J'arrive mieux à le contrôler, les trajectoires et tout. J'aurais dû fermer ma gueule moi. Ouais, je sais bien Gaming Slayer, mais je me demande si c'est... Parce que si je suis grand... Parce que si c'est le dernier saut qui va me faire chier. Faut que je fasse un saut accroupi, mais je sais pas si c'est possible depuis la pince. Mais en même temps, c'est forcément possible d'y arriver. Vu que les premières fois, j'ai laissé un champignon dans le checkpoint. Mais je l'ai enlevé pour que les gens évitent de rusher Bowser. À chaque fois, va pas de l'autre côté, s'il te plaît. Pourquoi je parle comme ça? C'est un peu énervant. Voilà. Merde. Hop là. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe toujours. Hop là. J'ai eu un petit peu chaud aux fesses. Quand même. Attention! Oula. Putain, mais ça fait trois fois de suite qu'il m'en envoie vers le bas, et je crois qu'en fait à chaque fois il saute sur mes bonbons, donc ça lui fait rien. Vite. Ah si, ça fait quand même du dégât quand il saute dessus. Yay! Et bah les gars, niveau disponible pour tous les casse-coups. D'accord, Megavolt. Ah putain. C'est bon, Coffee's level, ça sonne bien. C'est sobre. Description de stage. Voilà. Just drink coffee to stay awake until the end. Anglais sur 20. Classique. Et affrontement, je dirais. Alors, du coup, voilà. Le code du niveau. Pour ceux qui veulent tester, vous laissez un petit moment. Ouais, là c'est en ligne du coup, Taizol. Pour tous ceux qui veulent saigner un petit peu des doigts. Bah ça sert à rien que le screen, je peux toujours le récupérer dans ma liste de niveau, non?
Ok, alors voyons un petit peu ce qu'il y a comme niveau qui ont été proposés, parce qu'il y a pas mal de personnes qui en ont proposé depuis le début du live. Et il y a les gentils modos qui ont fait une liste. Oula, il y en a plein. Gaming Slayer, 7GX. Non, c'est bon pour vous. Ah. J'espère qu'il y en a certains qui essaieront. Ah, voir la notification. D'accord. C'est quoi les succès du coup? Alors comment on fait pour quitter? Non, moi ce que je veux c'est juste quitter. Voilà, stage du monde. Alors, donc Gaming Slayer il m'avait envoyé un niveau tout à l'heure. 7GX. KTK. QMG. Il faut aussi que je change le titre du live du coup. Vu que maintenant on est repassé sur du faisage des niveaux. J'en ai pour une seconde. Hop. Castle, je suis le premier à le tester. Merci Gaming Slayer. Ah, j'aurais dû courir. Est-ce qu'il faut que je cours ou pas? Ah ah, ok. En fait, j'aurais dû y aller, mais après. Vite, vite, là il y a le temps. Et là, par contre, faut pas que j'y aille tout de suite. Nagger Gaming. C'est bon, ça aussi. Hop, là, il y a peut-être moyen. Ouais. Là, on se pose là. Alors, par contre, je sais jamais dans quel sens il part les tombes. Donc lui, il va partir à gauche, je crois. Oh. Un immense GG pour ce niveau qui, selon moi, fera rager plus d'un, surtout au niveau des pics si tu veux mon avis, émoticône souriant. Merci Jay, merci beaucoup pour ton don. J'ai hâte de voir les résultats, franchement. Attendez, celui-là, il va de quel côté? D'accord, je vais pouvoir compris. Pourquoi on dirait qu'il y a un mur un peu bizarre par rapport au là-haut? Descendre rapidement, merde, n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Merde, oula, ah, ça va, il fait pas de dégâts. Merde, ouais, genre, ça passe, vu qu'ils font, font plus de dégâts sur les côtés, ils tombent. Par contre, là, ça va être un peu chiant. Voilà, c'est du saut précis. Ça va, là, ça va, on a de la marge. Oula, faut pour ta vie. Ah bah non, fallait pas courir pour ta vie. Dommage qu'il n'y ait pas de checkpoint. Bon, bah tout à l'heure ça marchait. C'est où le caropod? Bienvenue à toi. Parce que j'ai pas eu le deuxième dash. Voilà. Ah merde! Redescends s'il te plaît! Voilà, merci! Non mais redescends! T'es pas le con! Merde! Ça passe! Voilà! Ah putain! J'ai fait n'importe quoi là! Après ça dépend, il y a certains niveaux où qu'il n'y ait pas de checkpoint, ça enlève pas grand chose, mais il y en a d'autres où par contre ça mériterait. C'est pour ça que dans mon niveau j'ai pas été salaud, j'en ai mis 3, même si du coup il était beaucoup plus dur à valider. Mais au moins ça a permis de le rendre à peu près faisable. Ça se prend à 2 du coup.
Yes. Non. Oui. Non. Oui. Non. J'ai pas compris, Gaming Slayer. Voilà, pas de conneries. C'était là où il fallait que je fasse gaffe. Merde, j'ai du bras là. Merde! Oula! Comment j'ai fait tout à l'heure? J'ai juste pris de l'élan en fait. J'arrive mieux tout à l'heure. Voilà. Merde! Ah putain, j'ai pas sauté au bon moment. C'est ça, Volcaropod. Enfin, c'est que dans Super Mario Maker, je crois. Voilà. Yay. C'est un peu juste. Mal. Merde, dommage. Voilà. Là, on fait bien gaffe à rester dans le coin. Voilà. Bien. Yay. Là, on fait gaffe. Oh putain, j'ai failli me faire voir. Ça passe, ça passe encore. J'espère qu'il est bientôt fini. Un petit coup de stress avec les trucs sur les côtés du tuyau. Un checkpoint, s'il vous plaît. Alors, pourquoi des boules de feu? Ah, il va être chiant ce passage. Ah, il descendra maintenant, d'accord. J'ai pas eu les parachutes. En fait, il y a moyen de se les faire comme ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec les parachutes. Et c'est vrai que le dernier, il en a pas. Ça aurait pu être un bon troll, ça. Oula, oula. Ah, j'ai horreur de ce boss-là, en vrai. Il est trop aérien. Là, on est good. Alors attendez, faut pas qu'on se voit maintenant parce que je vous rappelle que il n'y a pas de checkpoint. Donc on est juste à la fin. Ouais, les deux Dragon Quest Builders 2, ils... Putain, mais c'est barré sans moi. C'est au prix. Merde. Ça c'est salaud. Et du coup, dès qu'il sort, je le fais. Je l'ai préco. J'ai trop peur de me foirer si j'essaie de le faire à la wall again. Si je crois qu'il n'y a vraiment pas moyen de passer ça, si. Et oui le loul, je fais les niveaux de la plèbe. C'est comment tu le dis, tu fais les niveaux du peuple en mode dédaigneux. Très très sympa en tout cas ton niveau Gaming Slayer. Ah, on est quoi d'autre? C'est Hector! Alors, j'ai quelques autres niveaux à faire avant Hector, mais avec plaisir. Voyons voir. Il y a quoi d'autre comme niveau? Peut-être du stream? Non, c'est pas celui-là. Il y avait Hector qui m'en avait envoyé un. Hein. Et Petit Poisson, je sais pas si c'était encore là, Petit Poisson et Switch.
Alors, Electrek, HOW. W. XP2. F2G. Reverse Underground, ok. Salut Patate Rose, re. Salut Captain Doigt. Oula. C'est vrai que c'est dommage, personne n'utilise trop le mode reverse. Off. Ok. T'as réussi à le finir, The Bluestone ? Bien joué. Merde. Putain, mais je suis mauvais à ce point. C'est Xenocorp, bienvenue à toi. Faut pas que je reste ici, faut que j'attende juste avant et après je me jette par-dessus le chomp. T'as réussi à sauter par-dessus Bowser ? Salopio. Le problème c'est que si je le mettais plus en avant, ça aurait été la merde pour lui envoyer les bonbons. Malheureusement il manquait quelques pixels de jeu pour pouvoir l'optimiser le Bowser. Ah oui c'est vrai, ceux-là on peut pas se passer en dessous. Il y a que dans le dernier Mario on peut marcher sur les troncs. Et... Ah putain! C'est un peu l'enfer de ton niveau électrique. Il te fout de la gerbe les niveaux inversés. Moi je trouve que c'est sympa, un coup de temps en temps ça change. Après si avec ça, ouais, c'est... ça ferait un peu mal à la tête je pense. Voilà, on attend un petit peu quand même. Le problème c'est qu'on sait pas trop où est-ce que pop les boules de feu, donc c'est un peu hard. Hop! Ouh putain, j'ai peur. Yes! D'accord, Gamebox. Alors, oui, on avait un niveau de lecteur de la torpille. Merci pour ton niveau, Electrek. Ça me donne un coup la Coffee's Level. Attendez, on va voir un petit peu. Où est-ce qu'on peut voir mes niveaux du coup? HS a dit hors sujet, Bwen, et bienvenue à toi. Comment on fait pour voir ses propres niveaux? Je sais plus. J'étais sûr que c'était dans créateur. Voilà. Stage publié. Voyons voir un petit peu. Faudrait juste savoir combien de... Oh! Il a réussi au bout de 20 essais. Pas mal, Bluestone. Alors, donc le niveau de Hector. Et un F. Y59. 0 F. Easy puzzle with Yoshi. Ok. C'est bien ton niveau à toi, ça, Hector? Ou c'est un niveau random Ok. Ah merde. Ah, ouais, synchro. Ah putain. Ouais, easy. Faut de la synchro. Oh merde. Reviens. Je suis où t'habites? Merde. Monsieur Bowen. Merde.
Ah, mais trop tôt. Putain, mais j'ai un mal de fou avec la synchro, ils sont trop près les blocs. Ah! On dirait que je fais pas de les dégommer. Ah, mais. Heureusement que le timer est bien long. Non mais... C'est ça, Gwen. Ah mais trop tôt. Je suis trop le son en fait. Parce que le problème c'est qu'il met un certain temps à décoller Yoshi. Raté. Non mais sérieux, j'arrive même plus à passer le premier. Là c'est du pixel perfect quoi. Oui. Je vais me foirer. C'est quoi ces réflexes de ninja qu'il faut? Merde. On va y arriver, on va y arriver. Merde. Oh. Un visiteur. D'accord, Kabuji. Bienvenue à toi, Omega Marxi. Je sais pas si j'ai pas du tout bien dit, mais. Alors bien sûr, on n'aura pas le temps de faire tous les niveaux aujourd'hui. Oh, merci Bonnet pour ton follow. On n'aura pas le temps de faire tous les niveaux aujourd'hui. Mais je vous rappelle que demain on fait un autre live où on fait vos niveaux à 10h30. Un visiteur, venu d'ailleurs. Bon, à tous qui tombent d'un coup, merci Maltaio. Tous ces follow. Je me sens suivi. Voilà. Donc gardez bien nos chevaux numéro, si on fait pas haut de niveau aujourd'hui, on pourra toujours les refaire demain. Raté. Oui. Oh putain, mais il est vraiment faisable ce niveau. Elle est trop hard. Il y a un petit côté random quand même. Hein. Un visiteur venu d'ailleurs. Merci à toi. Je suis désolé, d'ici je vois pas. Faudrait que je remette mes lunettes moi de temps en temps. C'est qui m'a ajouté? Julien, merci à toi. Merde. Suivons cette pluie de nouveaux follow, amusez-vous bien, émoticône souriant. Merci Jay, merci beaucoup. Ah putain, je crois que je vais jamais y arriver à ce niveau. Il y avait combien de pourcentage de réussite sur ce niveau? Qu'on rigole. Je crois que c'est le timer qui a me tué. Désolé, mais je vais pas y arriver. On a quand même un petit like. Ah, on peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Ah, il y a encore personne qui a réussi à le faire, tiens. Bon. Alors. Personne ne l'a fait. Là, tu m'étonnes. Allez, encore merci, Hector. Alors. Du coup, attendez, parce qu'il y a plein de niveaux dans tous les sens. Green Slayer, on a déjà fait un petit niveau, donc on va tester un petit peu au niveau des autres. Il y a Maltaio qui en a envoyé un. WGP.
WGP. Oula, je le vois plus. Où était son niveau WGP? H75. Et comme j'ai bugué, j'en remets un sans être sûr que l'autre est passé. XD. J'ai pas compris, Jay. T'as bugué comment? Encore merci pour ton don. Ah merde! Attendez, c'est moi qui ai fait de la merde là. Mal taillé. 8XG à la fin, pas BXG. Yes. Ouf. Quelque chose me dit que je vais pas réussir. 5 réussites sur 1409. D'accord, bah encore merci Jay. A plus Exol. Merci Spartiate. Le problème c'est que la tortue elle va dans le feu. Ok, après à partir de là faut aller où? D'accord, faut rester là-dessus. Ah, le problème c'est qu'il descend. Ok, c'est un truc vraiment mémorisation on dirait. Dwing, Dwing. On descend avec ça. Ouais, à mon avis, il fallait sautiller dessus. Ça a l'air d'être sacrément chaud, Altaïo. Plus moi, les niveaux de mémorisation, je suis vraiment pas très très bon. Du coup, faire quoi une fois qu'on est ici? Il faut continuer à suivre. Ah putain, faut continuer à suivre ça. Bon appétit Firewave. On va pas falloir tarder à manger aussi. J'ai un petit peu de travail qui m'attend cet après-midi avant le prochain live. À 16h30 pour les amateurs, on souhaite du Horizon Zero Dawn que j'ai commencé hier. Je vous rappelle que ce soir on se fait un petit peu de jeu d'horreur avec The Evil Within 2. Qui a l'air bien sympathique. Il est insane mais très court, d'accord. Je te fais confiance. Ah putain, t'es retourné à gauche. Tente toujours, Spartiate. Spring. Ah, trop tôt. Spring. Spring. La trajectoire de ce truc en plus c'est dur de bien rester dessus. Gauche, gauche, gauche. Droite, 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 droite. Putain mais... Ah putain faut vraiment rester sur la tête quoi. C'est chaud. Quoi? Comment j'ai réussi à mourir ici? Il est à la taille d'une case normalement. Ce vieux bug de collision. Je savais même pas que c'était possible en vrai de mourir ici. Je crois que j'étais le premier à mourir comme ça. Oula. C'est tellement random le tracé. Ah pute! D'accord, la gaming box, merci. C'est Ninja! Bienvenue à toi. Un visiteur venu d'ailleurs. Bienvenue à toi, le ninja français. Merci pour ton follow. Il
Allez, on y croit, on y croit, on y croit. On redescend. Oula. Putain. Rassure-moi, je suis presque à la fin ou je suis même pas au dixième? J'y arriverai jamais de ton niveau, Maltaïo. Ah putain, je fais de la merde. 40%. Ouf, ouais, puis j'imagine que les 60 derniers pourcents, c'est pas les plus simples. Oh! Je me demande s'il n'y a pas moyen de skipper. Au final, on remonte quasiment sur le point de départ. Si on fait ça, on n'est pas très loin de la tortue. Il y a moyen en fait. Merde! Ouais, avec toutes les précours en effet, Shizen. Les fans de chez Big N, ils vont avoir le portefeuille léger. Je suis sûr qu'il y a moyen d'aller jusqu'à là-bas. T'inquiète pas, moi aussi j'ai bien galéré à mon niveau avec Track. Off. D'accord, Maltaïo. Je peux quand même réessayer une dernière fois. Ouais, non, c'est vraiment pas possible en effet. Il manque la taille d'un bloc. Bon, je teste une dernière fois quand même. Parce que je sais que je vais vraiment pas y arriver. Surtout que le saut final, je sais même pas où il faut que j'aille avec. Là, doucement. Off! Bon, encore une dernière fois. Finalement, mon niveau à côté était pas si difficile, hein, les gars. Ah putain. Je sais plus partiel parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont envoyé leur niveau pendant que j'étais en pleine création que... Bon, ça va être quand même cool. Merci pour ton niveau. Donc j'agresse pas ton pseudo, Maltaïo 41. Alors... Non, ça va aller The Bluestone, on a déjà au moins une liste de 10 niveaux à faire. Surtout si c'est pour que tu m'envoies un niveau comme la dernière fois. Attendez, je regarde un petit peu. Il y a Buene qui m'en avait envoyé un aussi. Et Julen. Julen qui l'avait. Attendez. Attendez, non. Il y a Loloul, Loloun, Buene et Julen dans l'ordre. 7J5. J5. XT4. 51H. Enemies attack and destroy the fortress, you need to save her. Hit. Est-ce que c'est en anglais, les objets ont dit hit. Alors, voyons voir ça. Wing, wing. Oula. Merde. Oh, j'ai fait du brin-brin. Non, là on n'a pas le temps de passer. Ok. Alors, yep, bing, bing.
j'ai ça comme pouvoir aussi. Ah bah tiens. GG. Oh mais c'est moche ça. On va retenter. Mais il faut que je saute sur les trompes avant si je veux pas prendre de dégâts ou au pire avoir un champignon avant. Merde. Oh. On va y arriver. On va y arriver. Swing. On garde derrière au cas où. Non, je crois qu'il faut juste avoir un champignon pour se prendre le dégât. Ah non, ça passe de là-haut, d'accord. Y'a rien là-dedans des fois, non. Yep, on pose ça par ici. Tiens, vengeance! Il y a des billboles là-haut. Ah merde! Je regardais pas. Mais attendez pas. Bien joué, Electrek! Combien d'essais à peu près, Electrek? Merde. Ah, je suis pas en forme aujourd'hui, ça se voit. Voilà. Ça. Ça là. Allez. Cette fois-ci, on reste concentré. Là. Doucement. Un visiteur venu d'ailleurs. Merci pour ton follow, Hector. Là. Oula! C'était juste. J'aime pas quand ça remonte comme ça tout d'un coup, totalement vertical. Ça surprend un petit peu. Checkpoint. Rassure. Il est plus lent. D'accord, les abeilles ne montent qu'à l'horizontale. Yay! Ah, des torpilles chacha. Trois heures et demie plus tard. Voilà. Et on est good. Non, non, en fait sur Twitch, Hector, follow c'est gratuit, donc ça te permet d'avoir les notifications et tout. Et sub par contre, si c'est payant. Hop. Et du coup, c'est pas la même chose du coup de sub sur YouTube ou de sub sur Twitch. Bon, il y a des gens qui confondent les deux. Merde, merde, c'était elle. Ouais. Je crois qu'il faut un autre truc. Il y avait l'autre là-bas, je crois. Est-ce que sauter? Non, j'ai bloqué, c'est bon. Ok. Good. Voilà. Oh, merci beaucoup mon Megavolt! Merci beaucoup pour ton sub! Ça fait du bien du soutien. Yep. Surtout avec toutes les nouvelles sorties qui arrivent dans pas longtemps. Yay. Et
Yes. On est good. Allez, je vais essayer de faire encore un ou deux niveaux, les gars. C'est pas que je suis pas bien avec vous, mais je meurs de faim. J'ai pas eu le temps de dîner hier soir avec tout ça. Et je vous rappelle encore une fois, on continue à faire vos niveaux demain à 10h30. Donc n'hésitez pas à repasser si jamais j'ai pas eu le temps de faire votre niveau. Alors attendez, donc là c'était le niveau de Loloul. Encore merci à toi d'ailleurs. C'était Julen le suivant, c'est ça. Si j'ai pas de bêtises, K3N. N X5D 1YF. Yes, Manus Castle. Sur les côtés, mais en fait non. Voilà. Je passe. On est good. Franchement, je trouve que de façon générale, les niveaux sont de bien meilleure qualité que sur Mario Maker 1. Oula. Ah, je pensais que je pouvais quand même rebondir dessus. Dommage. Merde. Ça va descendre, j'espère. Ta vie. Yay. On est bon. On peut l'avoir pour la clé. Wink. Swing. Swing. C'est gagné. Pour faire rager encore plus, tu veux des conseils. Oh bah, c'était sympa ce petit niveau. Et on like. Encore merci Julen. C'était détente, c'est ça. Alors je regarde parce qu'il y avait, Shizen qui avait filé son niveau une paire de fois, RJN. JN. Non, RJ9, N1H. 9, N1H. Et M1G. Salut Blue! Bienvenue à toi! Ça a l'air d'être faisable. Hardcore level 1-2. Ok, il faut remonter. Merde! Fais attention moi. Bon. On est bien. Ok. Kill, on a de la marge. Petit checkpoint, ça fait toujours plaisir un checkpoint. D'accord, Gaming Slayer. D'accord. Là c'est un peu plus à l'eau ici. Il faut connaître la descente par cœur. Ah sinon il faut rester collé à gauche. Ou à droite. Ah.
Ok. Par là-bas. Il peut aller super loin les. Elle peut aller super loin les plantes, je sais pas. Ok. Gangstayer. C'est pas comme ça du coup. Tout comme ça. Ça fait une boucle infinie, c'est ça. Tiens, on dirait vachement le début. Ah non, même pas. C'est salaud ça. Et d'ailleurs, pourquoi à chaque fois que quelqu'un met un truc troll, il faut un putain de poisson dedans? D'accord, Gaming Slayer. Voilà. On attend que ça passe. On est good. Le troll, on saute à vertical. Je savais pas si on avait d'autres ou pas, Shizen. Remarico. Du coup, t'as pas vu, j'ai réussi mon. J'ai enfin réussi mon niveau, Mariko. Alors, voyons un petit peu. Mon estomac me dit qu'on a le temps pour un tout dernier. Et je voudrais faire un niveau de quelqu'un qui a encore jamais envoyé le sien, ce serait bien. Il y a Spartiate qui en a envoyé un tout à l'heure. Ah, petit poisson, il en avait envoyé un en tout début de live, petit poisson, donc je vais faire son niveau. Hop. 5ème R. Merde. 5ème R, DRV. VVF. Ok. Speedrun eSports. Okay. Un visiteur venu d'ailleurs. Merci Kafi Yaya pour ton follow. C'est toi. Shizen. Ouais, j'ai pas tout suivi. Il s'est passé quoi? Pas sûr de comprendre ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que j'attends? Non, je suis pas sûr de ce qu'il faut faire. Peut-être que chaud du coup. D'accord. Ouais, je me doute bien, Mariko, mais. Mais en sortant directement là, je me prends du dégât. Ah, je vois ce que tu veux faire, mais j'arrive pas, je suis pas synchro. C'est Néo de Petit Poisson. Là. Donc, soit je meurs parce que je descends trop vite, soit je meurs parce que je monte trop vite. Et le problème, c'est que si je ralentis pour avoir la carapace, j'arrive pas à voir la suivante. Faut que tu m'expliques, petit poisson, parce que ta carapace elle est un peu en retard. Et du coup, si je ralentis pour l'avoir, j'ai pas celui d'après. C'est JT Game, ça va? Ouais, je me suis foiré bien. Suicidage. Ah,
Ah sinon je peux faire ça. Ouais là c'est ce que j'ai essayé de faire, la gaming box, ça spin en l'air. Erre. Chaud. C'était moche. Peut-être essayer de le faire avant tout s'il le spin. Ah oh, mais sérieux. Oh. Un petit peu JT Game. J'ai plus galéré sur ma création de niveau au début que... Non, puis là, même si je fais spin avant, ça m'en rentit pas assez. Mais après, il va falloir que j'aille manger ce spartiate parce que ça fait 24 heures que j'ai pas mangé, du coup. Et puis après, j'ai du boulot qui m'attend cet après-midi. Mais on se retrouve cet après-midi à 16h30 et à 20h pour deux autres jeux. Et puis on continue le Mario Maker demain à 10h30 avec le niveau des abonnés. Enfin, des fois, des viewers. Oui! Non! Du coup, je vois pas ce que je dois faire après. Non plus. Si, salut Akayori! Je m'étais dit encore un petit niveau vite fait, dans 5 minutes je serai en train de manger. Bah non. Non, Spartiate, j'ai pas fait de tes niveaux malheureusement. Je comprends pas ce que je suis censé faire. Ni. Tu dois prendre le pot en jump et le drop, mais je vois pas comment je peux le jumper. Off. Oh merde. Ouais, il est chaud ce niveau. Puis je spin trop tôt. Ah. C'est surtout mon estomac qui commence à bouillir, gaming. Si j'approche le micro, je suis sûr que vous l'entendez. Niveau super expert, c'est ça. Et je vois pas comment je peux le choper en vol, ce truc-là. Parce que si je fais une attaque Q, du coup, ça nique tout. Comment on peut faire pour choper les pots en vol? Mais c'est chiant qu'il y ait cette désynchronisation avec les carapaces en dessous. Je suis obligé de ralentir à chaque fois. Non, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, maintenir le bouton course. Ah, bah cette fois-ci ça a marché. Alors que j'étais de dos. Ah. Ok, le jump n'a pas marché. Je crois que j'aurais vraiment pas celui-là. Je vois pas comment je peux le gérer du coup après ici. Mario qui se colle le pot entre les fesses. Oh mon dieu. Merci de tuer mon enfance. Et puis là ça marche plus. En fait faut vraiment que j'envoie d'avance et que je le chope. Oui. Oh putain, j'y étais presque. Oui, je veux pas être loin de la fin. J'ai fait de la merde. Ah, il faut vraiment que je relâche avant. Ah, j'y étais. Je vous dis que j'y étais.
Là, j'y étais pas du tout. Mais en fait, c'est ça qui est chiant, c'est la petite désynchronisation qu'il y a avec la carapace au début. Miaf! Allez, on y est, balance le pot. Oh, bah j'aurais pu le faire comme ça directement en fait. Ah putain, puis après c'est du spin, c'est ça. Spartiate. Oh, ta mère. J'avais même plus aller où j'allais avant. Hop. Ah oh, mais j'étais en train de lâcher. A plus Gaming Slayer, à bientôt. C'est Pyrolix. Attendez, là j'ai mal commencé du coup. Comment ça va? Ah. Ah, on n'aura pas le temps d'en faire deux, je suis vraiment désolé Megavolt, mais garde-le si demain c'est dans le coin. Ah putain, à chaque fois je me retourne alors qu'il faut que je le balance directement. Bah. Ok. Ouais. Off. Putain, j'arrive plus à balancer le pot là. C'est pas de pot. Ouais. Non plus. Mais faut pas me fier des niveaux comme ça les gars. Je sais que je vais pas y arriver mais j'essaie quand même. C'est frustrant. Ah puis là j'ai raté le pot. Bah c'est, ça dépend à Kayuri parce que il y a... Ces derniers jours il y a Captain Superdoigt qui m'en a envoyé une paire de ces niveaux et qui étaient très sympas malgré leurs difficultés. Et c'était pas non plus pareil, c'était pas du millimétrage exactement de la même façon on va dire. Visiteur venu d'ailleurs. Merci Florian pour ton follow. Merde. C'est un développeur créé par un développeur de Dark Souls. Et encore c'était un jour où il était très énervé je pense. Oui. Ah merde, j'ai pas balancé assez vite. Oh le con. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, les pit jump, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est quelque chose, on va dire. Bien. Ah oh, mais bordel. Trop vite. Trop vite. Bah c'est même les développeurs de Dark Souls et de Sekiro Spartiate. Merde. C'est con en fait, la carapace en dessous avancerait de 2 mm plus à droite. Il serait tellement plus facile ce niveau de base. Et oui Starcraft. J'arrive même plus à placer mon premier saut. Je crois que j'ai jamais perdu autant de vues aussi vite les gars. Bien. Non. Oh putain. Oui. Non. Ah maintenant c'est le timing qui a manqué. Ah trop tôt. Mais ce qui me fait peur c'est les tourbes. Je sais pas si on peut spin dash dessus ou pas.
Ah, et puis là, je l'ai mal fait. Non, c'est un stage de d'un viewer StarCraft. On est d'accord que j'ai fait de la merde. Ouais, et puis là, je me suis pas laissé assez porter. Moi qui me suis dit, allez, un dernier petit niveau vite fait. Puis après, on bouffe. Je suis parti pour faire un ramadan là. Oh merde. Ah merde, j'aurais dû continuer à avancer. Merde, faut pas que je ralentisse quand je chope le pot. Mariko, hashtag nourris ton streamer. Oui. Non. Putain, j'ai plus de temps. Sors, sors. Oh, ouais, je suis loin d'avoir fini. Ah, je suis désolé, mais il est trop dur ton niveau. Trop dur pour moi en tout cas. En tout cas, il est bien sympa, il est bien calibré. Oh Mariko, ça aide à nourrir les bits. Je ferai bien une blague sur cette interaction Mariko, mais je risque d'être vulgaire. Merci pour tes bits Mariko. Bienvenue Silver. Bon, je vais quand même faire celui de Megavolt parce que je sais qu'il va être rapide et facile. Histoire de finir sur une bonne note. Et c'est vrai que c'est encore pire. N2, M5G, 8PG. 8P et G. Voilà. J'étais censé arrêter le stream il y a plus d'une heure. Mario Bros 1.1, ok. C'est Connex. Ah, mais si je commence à vouloir faire un autre et un autre et un autre connex, malheureusement, je mange pas avant la fin de la semaine. Mais vous inquiétez pas, encore une fois, on refait un petit live sur Mario demain, midi et demi. Midi et demi, 10h30. En fait, c'est le monde original avec. Ah, on peut retourner en arrière du coup. C'est le monde original, sauf que le scrolling il est pas uniforme. Ah, du coup, faut que je retourne en arrière. Du coup, je me demande quand même un petit truc. Attends, je vais carrément retourner au début pour voir si t'as poussé le vis jusqu'au bout, Megavolt. Merde, je me suis fait eu. Du coup, ça me fait bizarre. Je vois les Goombas qui vont pas dans le bon sens. Ça me fait. Hop. Ah, mais normalement, c'est un one up ici. Du coup, ils sont où les disques qui restent? Ah putain! Il doit y avoir un truc de. J'ai plus les. C'est celui-là. Yes! J'ai plus qu'à finir. Sympa le concept, ça me rappelle un petit peu, tu sais, le Megamix NES Mega Hall qui fait refaire des niveaux de divers jeux connus de la NES avec des missions spécifiques. Ah oui, je crois qu'on est obligé d'avoir le Nintendo Online pour jouer en online StarCraft. Yes. Bon, bah les amis, je vais vous laisser ici, mais je vous laisse quand même, avant de partir, le code du niveau que j'ai fait, bah, pendant qu'il y avait le problème de serveur. Comme ça, si jamais vous voulez tester un niveau un petit peu hard, n'hésitez pas. Alors, attendez. Voilà. Coffee's Level. 9YHN28KWG. Oh, 1,40% de réussite, ça va encore, c'est raisonnable. Donc n'hésitez pas à le tester. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on recommence à live à 16h30 pour continuer un petit peu
Horizon Zero Dawn qui est juste génial, un super open world. Ce soir à 20h, on commence un tout nouveau live sur The Evil Within, oui, 2. Un jeu d'horreur bien sympa. Et puis on continuera du coup au niveau à 10h30 demain à... Bah demain matin, 10h30. Voilà, désolé, je suis un petit peu fatigué, je vais en profiter pour dormir aussi quelques heures avant le prochain live. Passez tous une très bonne journée, à très vite sur Coffee Gaming, salut! Merci d'avoir regardé mon live et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à partager, à suivre la chaîne. Et si vous voulez donner un petit coup de pouce gratuitement, vous pouvez regarder quelques pubs sur Utip. Vous pouvez retrouver mes futurs streams sur Twitch dans l'onglet événements ainsi qu'y activer des rappels. Une dizaine de lives sont programmés chaque semaine. Vous pouvez retrouver toutes les rediffusions des streams sur la chaîne YouTube Coffee Gaming. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire Coffee Stories où je fais des vidéos en tout genre autour du thème du jeu vidéo et de la musique, ainsi que sur les réseaux sociaux Discord, Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont situés en dessous de la vidéo. À très bientôt sur Coffee Gaming.